Mes chers collègues, étant la doyenne de cette assemblée, il me revient l'honneur d'inaugurer l'installation de ce nouveau conseil municipal. En raison des circonstances particulières, évidemment, je serai brève. J'entame aujourd'hui mon cinquième mandat en tant qu'élue municipale dans un contexte délicat et inédit pour notre ville. Après 2 mois de confinement, mes premiers mots seront pour le personnel soignant qui, malgré la crise sanitaire et le manque de moyens, n'a jamais baissé les bras, même au plus fort de la tempête. Je souhaite également rendre hommage notamment aux forces de l'ordre, aux commerçants, aux agents de la ville, ainsi que à beaucoup de personnes, mais qu'il serait trop long de citer, qui ont continué à travailler pour assurer aux Meldois une vie aussi normale que possible. Jean-François, je tiens à t'adresser toutes mes félicitations. Tout d'abord pour la façon dont tu as su mener la ville pour lui faire traverser cette crise sanitaire et anxiogène, mais aussi pour cette cinquième élection à Meaux avec un score tout particulièrement impressionnant. J'ai également une affectueuse pensée pour mes collègues des précédents mandats et le travail que nous avons accompli tous ensemble au service de cette ville que j'aime tant. Enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. La tâche que vous allez entreprendre est exaltante, passionnante, éreintante aussi parfois. Mais surtout, elle est belle, car elle est au service de nos concitoyens, de tous nos concitoyens. Merci. Avant que nous commencions la séance, moi-même. Avant que nous commencions la séance, je vous informe de la démission de ses fonctions de M. Frédéric Capitaine par courrier du 16 mars dernier et de Mme Muriel Hérichet par courrier en date du 18 mai 2020. Conformément à l'article 6 de l'ordonnance 2020-390 du 1er avril 2020, la démission de M. Capitaine prend effet au 18 mai 2020 et celle de Mme Hérichet prend effet au 20 mai 2020, date de réception de sa lettre. Conformément à l'article L21-21-4 du Code général des collectivités territoriales, ces démissions sont définitives et M. le préfet de Seine-et-Marne en a été informé. Nous devons installer 2 nouveaux conseillers municipaux, Mme Baou Ima et Mme Donia Galaoui. Nous allons maintenant ouvrir la séance. Je dois procéder à l'appel des conseillers municipaux. Alors, Jean-François Copé, Jean-François Parigi, Corinne Ponneau-Roger, Emmanuel Vielpo, Alal Mouradoudi, Amandine de Kessling, Jean-Marie Guéraud, Sally Diop, Jérôme Tisserand, Arthur Georges Bras, Laetitia Blais, Bernard Le Cicero, Ludivine Gonsalves, Franck Gourdi, Émile Buff, Ouaïd Abassi, Timmy Gosselin, Bruno Delost, Sandra Lefebvre, Kevin Marilus, Sarah Lacroix, Christian Allard, Marie-France Maoukou, Saïd Rezek, Chantal Gilewski, Fernando Rodriguez, Evelyne Vessière, Didier Attali, Aurore Mboubou, Pascal Emery, Fatma Osturk, Julien Leloup, Virginie Hublet, Alain Bourgeois, Pascal Guibéga, Sadio Sissoko, Rachida Benhamed Fala, Sébastien Malkik, Rachel Thorne, Christian Pastor, Donia Galaoui, André Moukine-Fortier, Valentine Rousseau, Baou Ima, Gilles Savray. Nous avons le quorum. Bien. Donc, je déclare les conseillers municipaux installés dans leurs fonctions. Il nous faut maintenant 2 assesseurs. Alors, ce sera les 2 plus jeunes conseillères municipales, Madame Rachel Thorne et Madame Donia Galaoui. Il me faut également désigner un secrétaire de séance, le plus jeune conseiller municipal, Monsieur Julien Leloup. Donc, nous passons à l'ordre du jour. Avec la question 1, l'élection du maire.
Je vous rappelle qu'au terme de l'article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. En application de l'article L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Qui est candidat ? Je suis candidat. Je suis candidat. Très bien. Vous trouverez des bulletins au nom de Jean-François Copé et des bulletins blancs qui ont été déposés dans le conférencier. Je dois rappeler à nouveau chaque conseiller municipal pour qu'il dépose son bulletin dans l'urne prévue. Et je pense qu'ils doivent signer la liste des margements. Ils doivent signer la liste des margements. Non, pas du tout. Donc, je refais l'appel. Jean-François Copé. Je vais directement voter. Voilà. Jean-François Copé, Jean-François Parigi, Corinne Ponneau-Roger, Emmanuel Vielpo, Alal Mouradoudi, Amandine de Kessling, Jean-Marie Guéraud, Sally Diop, Jérôme Tisserand, Arthur Georges Bras, Laetitia Blais, Bernard Le Cicero, Ludivine Consalves, Franck Gourdi, Émilie Buff, Ouaïd Abassi, Timmy Gosselin, Bruno Delost, Sandra Lefebvre, Kevin Marilus, Sarah Lacroix, Christian Allard, Marie-France Mahoucou, Saïd Rezek, Chantal Gilewski, Fernando Rodriguez, moi j'irai après, en dernier, Didier Attali, Aurore Mboumbou, Pascal Emery, Fatma Osturk, Julien Leloup, Virginie Hublet, Alain Bourgeois, Pascal Guibéga, Sadio Sissoko, Rachida Benhamed Fala, Sébastien Malkic,
Rachel Thorne, Christian Pastor. Donia Galaoui, André Mouquine-Fortier, Valentine Rousseau, Baouima, Gilles Savray, Je demande donc aux deux assesseurs, Rachel Thorne et Donia Galaoui, de procéder au dépouillement. Jean-François Copé. André Mouquine-Fortier. Jean-François Copé. Mouquine-Fortier. Jean-François Copé. 20. Jean-François Copé. André Mouquine-Fortier. Jean-François Copé.
Jean-François Copé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Nombre de votants 45. Voilà, très bien. Voilà, il n'y a aucun but à mort. Je vais proclamer les résultats. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 45. Nombre de bulletins nuls ou blancs 0. Nombre de suffrages exprimés 45. Majorité absolue. Jean-François Copé a obtenu 41 voix, Monsieur Mouquine-Fortier, 4 voix. Jean-François Copé ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire et installé dans ses fonctions. Mais même pas l'écharpe. Alors, je ne suis pas sûr que tu puisses me remettre l'écharpe, conditions sanitaires obligées. La boîte, quand même. Bon. La boîte. Alors ça, la boîte, d'accord. Je vais mettre le masque. Hop. Masque. Voilà. Hop. Merci à tous. C'est un grand honneur pour moi de ceindre devant vous cette belle écharpe tricolore. Dans quelques minutes, bien sûr, je vais m'adresser plus longuement à vous et à ceux qui nous écoutent, puisque ce conseil municipal, comme le prévoit la réglementation, est donc rediffusé sur les réseaux sociaux et sur Internet. Merci Evelyne pour ta présidence et pour ce très beau discours qui était très touchant et très émouvant. Je vais procéder maintenant à la présentation de deux délibérations. La première concerne la détermination du nombre des adjoints au maire, au terme de l'article 21-22 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales. Il y a donc chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints qui sont élus parmi les membres du conseil. Il ne peut pas y avoir plus de 30% de l'effectif qui soit adjoint. En l'occurrence, je vous propose de fixer le nombre d'adjoints à 12, de sorte que cela respecte une parité parfaite, 6 hommes, 6 femmes. Sur le principe de cette délibération, je vous propose de voter à main levée. Qui est contre ? Allez-y. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si vous avez une question sur cette délibération, vous pouvez... Sur cette délibération ? Allez-y, vous avez le micro. Voilà. Merci. Merci, monsieur le maire. Donc c'est un petit peu émouvant pour moi de prendre la parole dans cette assemblée, puisque ça fait 35 ans que j'assiste au conseil municipal de Meaux. Hein, donc
C'est un moment fort pour moi. Donc, permettez-moi d'avoir une pensée pour les miens, hein, ceux qui me regardent, m'écoutent, où qu'ils soient. Puis une pensée, comme l'a évoqué Mme Vessière, également pour tous ceux qui nous ont précédés dans cette salle, qu'ils soient dans l'opposition ou la majorité. Deux petits enseignements que j'ai tirés de ces 35 années d'observation du conseil municipal sous différentes majorités. La première, et Dieu m'en préserve, c'est que j'ai souvent constaté que autour de cette table, alors je ne sais pas si c'est la table qui fait ça, nous ne sommes pas dans les salons de l'hôtel de ville, on avait tendance à prendre la grosse tête et à s'éloigner des préoccupations des mêmes lois. Donc, si mes collègues constatent que je prends la grosse tête, qui est déjà très grosse chez moi naturellement, qu'ils me rappellent à l'ordre. Je vous remercie, monsieur le maire. Et donc, je peux compter sur vous. Et donc, deuxième petit constat, ou remarque, réflexion, leçon, c'est que nous sommes qu'un maillon dans cette longue chaîne d'élus qui se succèdent dans cette ville depuis des lustres et d'autres qui viendront après nous. Nous ne sommes qu'un simple petit maillon. Et j'ai une petite anecdote qui vous fera peut-être sourire, que certains connaissent. Il y avait un de vos lointains prédécesseurs au 19e siècle qui, au lendemain des élections, emmenait toute son équipe au vieux cimetière pour leur montrer les tombes de leurs prédécesseurs. Non pas pour les impressionner, mais simplement pour les ramener à un peu plus d'humilité. Voilà ce que j'ai tiré de ces 35 années assis sur mon siège. Pour en revenir donc à la délibération numéro 2, je voulais donc en profiter pour remercier personnellement Muriel Richer, qui a servi la ville de Meaux durant 25 ans, qui vient de présenter sa démission, puisque nous avons débuté ensemble avec Jean-François Parigi et quelques autres en 1985, aux côtés de Pierre Quillet, à une époque où les convictions comptaient plus que des ambitions ou que des ambitieuses. Sur cette délib, j'ai une petite question. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une faute de frappe, puisque j'ai constaté dans la délibération qui nous était présentée lors du précédent conseil municipal qui n'a pas pu se tenir, le 20 mars dernier, qu'il était prévu 13 adjoints. Donc là, le nombre est tombé à 12. Est-ce que c'est en raison de la démission de Mme Richer? Est-ce que c'est simplement parce que vous êtes superstitieux et que 12 est un nombre plus symbolique, qui symbolise la pérennité? Question. Je vous remercie. Non, il n'y a pas, j'ai pas de raison très développée pour répondre à cette question. Nous avons considéré que, à la suite effectivement de l'édition de Muriel, de la vice-présidence qui était proposée pour l'agglomération, proposée à Sally Diop d'être vice-président, elle-même étant initialement adjointe, elle ne l'étant plus. Nous avouons que le délai était très court et que dans l'immédiat, il ne nous a pas semblé opportun dans l'urgence de procéder à une 13e nomination. En plus, là, il y a une parité parfaite, 6 hommes, 6 femmes. S'il apparaît au cours du mandat qu'il y a lieu de pourvoir à ce 13e vote, nous le ferons. Je vous propose qu'on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, nous procédons maintenant à l'élection des adjoints. Donc, la loi prévoit désormais que c'est un scrutin de liste. Je rappelle que la liste des adjoints est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après deux tours de scrutin, une liste a obtenu la majorité absolue sans poser un troisième tour, passons de l'idée qu'il n'y a pas lieu d'être. Je voulais simplement. Donc, une liste a été déposée, hein, celle de la majorité municipale que je conduis. Elle est dans votre dossier. Et dans un instant, naturellement, je vais non seulement vous la présenter, mais également inviter les adjoints élus à s'installer tout autour des tables. À chaque fois, la distance de sécurité, bien sûr, sanitaire est pleinement respectée. Et je donnerai à cette occasion, bien sûr, les délégations que je confierai à chacun des adjoints et adjoints. Juste avant, y a-t-il, de part d'opposition, une candidature pour être adjoint? Monsieur Sabret? Prendrait le 13e. Allez-y. Ça marche. Oui, donc j'ai bien compris votre explication sur le nombre d'adjoints. Petite remarque, donc vous serez 12 plus 1, 13. Donc, je ne sais pas. Mais au moins, je vois bien que vous êtes bon en mathématiques.
Je ne sais pas qui sera le si on peut faire quelques comparaisons, qui sera le Judas dans l'affaire. Pour en revenir à la délibération numéro 3, donc sur les conseillers, dans la liste qui nous est fournie, il n'y a pas les délégations des conseillers, je suppose que c'est normal. Donc nous ne présenterons pas de candidats, ça c'est un point. Et donc nous aurions souhaité, dans les délégations, puisque je n'ai pas la liste sous les yeux, qu'il y ait un maire adjoint chargé spécifiquement des affaires scolaires, ce qui n'était pas le cas pour différentes raisons dans les précédents mandats, puisque pour nous le domaine scolaire est un domaine essentiel pour le développement de notre ville. Et nous souhaiterions également, c'est un souhait, que dans les délégations, comme nous l'avions donc expliqué dans notre programme, il y ait une grande délégation donc, qui regroupe l'urbanisme, l'environnement et le patrimoine, et qu'il y ait à la tête donc, de cette super délégation un homme d'expérience. Je vous remercie. Très bien, pas d'autres demandes de parole. Donc je vous propose que nous procédions à cette élection. Alors, je rappelle qu'il y a deux urnes, hein, et donc ça permet de fluidifier le passage. Et donc je propose que vous puissiez prendre dans votre dossier la liste donc, des adjoints qui vous est promise, et que vous la mettiez dans l'urne. La seule chose, c'est que vous pouvez choisir alternativement l'une ou l'autre urne. Donc, Jean-François Paretti. Corinne Bonneau-Roger. Emmanuel Delipaud. Alain Mourad-Louis. Amandine Le Plessis. Jean-Marie Biraud. Salih Diop. Jérôme Tisserand. Arthur Georges Bras, Laetitia Blais, Bernard Le Cicero, Ludivine Goncalves, Franck Bourdi, Émilie Buff, Wahid Abbassi, Timmy Gosselin, Bruno Delos, Sandra Defebvre, Sarah Lacroix, Christian Allard, Marie-France Maoukou, Saïd Rezeg, Chantal Gilevski, Fernando Rodriguez, Evelyne Vessière, Didier Attali, Aurore Eboumbou, Pascal Emery, Fatma Ozturk, Julien Leloup, Virginie Hublet, Alain Bourgeois, Pascal Guibéga, Sadio Sissoko, Rachida Benhamed Fala, Sébastien Malkic, Rachel Thorne, Christian Pastor, Denia Galaoui, André Moukine Fortier, Valentine Rousseau, Baouima, Gilles Savray.
c'était bon. Il y a quoi? Il y avait un bulletin blanc avec qui collé avec. Ah. C'est bon ? Ah bon. Le compte est bon. Mot pour tous. 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 Un nul. Un nul. Mettez là, laissez là. Mot pour tous. Tenu. Un nul. Mot pour tous. 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 Un nul. Mot pour tous. 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 Blanc. Un nul, un blanc. Mot pour tous. 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 Alors, je vais annoncer les résultats. Alors, élection pour les adjoints au maire. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 45. Nombre de bulletins nuls ou blancs, 4. Majorité, nombre de suffrages exprimés, 41. La liste Mots pour tous a recueilli 41 voix et est donc élue. Bravo. Alors, je vais maintenant appeler chacun des 12 maires adjoints qui ont été élus et vous informer en même temps des délégations que je leur attribue. Et je vais également appeler 4 autres personnalités parmi les membres du Conseil qui ont vocation à devenir vice-président de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Donc, les adjoints d'abord. J'appelle, et alors je propose que chacun a leur nom, vous récupériez, et je vous prie de m'en excuser, j'adorerais pouvoir vous passer l'écharpe, mais pour les conditions sanitaires
que nous connaissons, ça n'est pas possible. Donc on vous remet votre coffret avec vos écharpes, que je serai heureux de vous voir porter, vos écharpes d'adjoint au maire de Meaux. Donc d'abord, Emmanuelle Vielpeau, première adjointe, en charge de l'éducation, de l'enfance et du personnel. Deuxième adjoint, Christian Allard, sport, santé, développement des professions médicales. Troisième adjoint, Laetitia Blais, à la petite enfance et au handicap. Quatrième adjoint, Arthur Georges Bras, délégué à l'habitat, à l'urbanisme, au logement, à la rénovation urbaine, à la politique de la ville, mobilité et transport. Cinquième adjointe, Marie-France Maoukou, en charge de l'écologie, du développement durable, de la végétalisation et du fleurissement. Sixième adjoint, Alal Mouradoudi, en charge du numérique et de la ville intelligente. Ce sera la première fois qu'on confie et qu'on crée une délégation sur le numérique et l'intelligence artificielle. Il sera par ailleurs président du comité de quartier de la Verrière. Corinne Ponoroger, septième adjoint délégué aux affaires sociales, à la famille, centres sociaux, à l'aide aux victimes, et elle présidera le CCQ, le comité de quartier Aragon. Jérôme Tisserand sera huitième adjoint en charge de la culture, du patrimoine et des animations. Amandine de Kessling, neuvième adjointe en charge du commerce, des foires et marchés, des animations commerciales. Bruno Delost, dixième adjoint en charge des finances et de la commande publique. Émilie Buff, elle sera en charge de la citoyenneté, des démarches administratives, du monde combattant et du devoir de mémoire. Waïd Abbassi, 12e adjoint, en charge de la jeunesse. Et j'appelle également Bernard Lossiciro, qui sera 2e vice-président de la communauté d'agglomération et 1er vice-président Meldois. Sally Diop, qui sera également vice-présidente. Didier Attali et Franck Gourdi. Et je les invite à prendre également leur place. Bien, mes chers amis, je dois vous dire que je suis très ému de me trouver parmi vous, et même si je le dissimule un peu, il n'en reste pas moins que cela reste pour moi un moment très, très heureux à vivre et à partager avec vous et avec tous ceux qui, parmi les Meldoises et les Meldois, et les uns et les autres, je le sais, sont nombreux, nous écoutent et nous voient à travers la diffusion par les réseaux sociaux. Je voudrais saluer Régis Sarrazin, premier vice-président de notre communauté d'agglomération, ami d'Arézègue, conseiller régional, Olivier Morin, vice-président du conseil départemental, qui nous font l'amitié d'assister à ce conseil. C'est vrai que l'installation d'un conseil municipal, c'est toujours un moment très fondateur dans l'histoire d'une ville. Et c'est vrai aussi que cette cérémonie revêt un caractère particulier. D'abord, du fait des conditions sanitaires, nous sommes dans un contexte inédit d'une crise qui a touché plus de la moitié de la planète et qui nous conduit à nous réunir ici à huis clos. Nous n'avons pas pu, avant la campagne, faire de grands meetings où je voulais inviter, bien sûr, les Meldoises et les Meldois à participer, mais malheureusement, ça n'était pas possible. Et donc, c'est vrai que c'est un contexte sanitaire qui donne un caractère particulier à cette cérémonie. La deuxième raison pour laquelle c'est un peu particulier, c'est évidemment du fait du score que les Meldoises et les Meldois nous ont offert. 76,3% des suffrages exprimés, c'est, je crois, un niveau qui n'a jamais été atteint pour l'élection d'un maire de Meaux. Et en tout état de cause, une gazette en faisait l'écho. Nous sommes, si je puis dire, sur le podium, puisque c'est la troisième parmi les grandes villes de France à avoir été élue. Avoir élu son maire et sa majorité avec un score aussi important. Et donc, inutile de vous dire que mon premier sentiment est celui d'une immense gratitude pour les Meldoises et les Meldois qui nous ont aussi massivement fait confiance. Mais en même temps, c'est vrai que si ce score nous honore, eh bien, en vérité aussi, il nous engage. Nous avons eu une campagne électorale difficile, intense, passionnante, qui m'a permis, avec mon épouse Nadia, avec
les élus, les militants très nombreux, de dialoguer avec des milliers de Meldoises et de Meldois pendant des mois. Et c'est vrai qu'en apprenant ce score, obtenu face à trois autres listes, j'ai mesuré la responsabilité qui nous incombe. Et de ce fait, avant de vous en dire un peu plus sur la feuille de route que je voudrais partager avec vous, je voudrais faire un commentaire un peu plus personnel. C'est vrai que cette émotion, je l'ai d'autant plus ressentie que depuis que je me suis engagé en politique, au service de notre pays, au service de notre ville, j'ai vécu des moments très heureux. J'ai été ministre de Jacques Chirac, nous avons inauguré ensemble le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, musée le plus important d'Europe sur cet événement majeur de notre histoire contemporaine, et bien d'autres événements heureux encore. Et puis aussi, j'ai traversé, vous le savez, un certain nombre de grandes épreuves, connu des injustices aussi, avant d'être réhabilité. Mais je dois dire que jamais, à aucun moment, le soutien des Meldoises et des Meldois ne m'a manqué. Avec amitié, avec même affection parfois, dans des moments difficiles, et je me sens redevable de cette confiance. Et avoir vu mes administrés me renouveler leur confiance à un tel niveau, pour commencer ce cinquième mandat, je dois vous confier que ça me donne une force intérieure considérable et une détermination totale. Et puis ça me donne aussi la conscience de la responsabilité immense qui m'incombe au service de notre chère ville de Meaux. Et j'insiste, au service de chaque Meldoise et de chaque Meldois. Meaux, cette ville d'art et d'histoire, fière de son passé, soucieuse après les épreuves traversées, de poursuivre sa transformation en ville verte du futur. Voilà notre mission. Et à ce point de mon propos, je veux tout naturellement m'adresser devant les Meldois et les Meldoises qui nous écoutent et nous regardent, à l'ensemble des élus de ce nouveau conseil municipal. Un conseil qui, comme je m'y étais engagé, compte plus de la moitié de nouveaux élus, reflétant la population meldoise d'aujourd'hui et de demain. Je veux d'abord m'adresser à notre député, mon ami toujours, Jean-François Parigi, et lui dire combien je suis heureux de partager avec lui ce nouveau défi, tant l'un et l'autre nous avançons ensemble, avec vous tous, au service de notre ville et de notre pays de Meaux. Et puis, m'adresser à vous tous, investi avec moi et à mes côtés d'une grande mission. D'abord aux nouveaux élus de la majorité. Ils sont nombreux. Et je suis fier et heureux de les accueillir, chacune et chacun, pour ce qu'ils sont. Car j'ai veillé à choisir chacune et chacun d'entre vous en considérant que vous étiez les personnalités qu'il nous fallait pour poursuivre notre mission. Vous devrez accomplir chacun une mission et vous devrez l'accomplir comme vos aînés, avec sobriété, dévouement. Seul le bien commun devra vous animer, sans jamais oublier que nous sommes de passage, que rien ne nous est dû et qu'il nous faudra agir avec pour seul moteur, la bienveillance et l'humanité qui préside à toute grande entreprise. Aux élus reconduits de la majorité, dont 5 m'accompagnent depuis le premier jour et sont ici présents, je veux recommander d'accueillir leurs cadets avec chaleur et disponibilité, comme ils ont commencé de le faire, pour partager avec eux l'expérience et l'esprit positif de notre charte fondatrice, filiation de notre aventure chiracienne, Meaux pour tous. Et j'ai une pensée pour tous les élus qui ont travaillé avec moi depuis 1995 à cette grande aventure et sans lesquels rien n'aurait été possible. Et ils sont présents dans mon cœur. Enfin, je veux dire aux élus de l'opposition, à qui je souhaite la bienvenue, que je souhaite qu'ils laissent de côté
les attaques personnelles pour une approche plus constructive que durant la campagne, car nous aurons besoin d'eux aussi. Je veux enfin saluer notre directeur général des services, Bertrand Serre, mon directeur de cabinet, Guillaume Ségala, les 5 chefs de département, l'ensemble des directeurs et les 1300 agents de notre collectivité qui font, je ne crains pas de le dire, un travail exceptionnel et sans lesquels rien ne serait possible. Je voudrais maintenant aborder devant vous la situation sanitaire que nous connaissons liée à l'épidémie de Covid-19. Dès le 16 mars, début du confinement et lendemain de notre élection, un énorme travail, je dis bien un énorme travail de mobilisation a été entrepris pour gérer la crise le mieux possible. J'en ai régulièrement rendu compte au Meldois par des messages vidéo et par tous les supports de communication. Ce travail a été fait sans ménager ni son temps ni sa peine par des hommes et des femmes d'un courage d'autant plus exceptionnel que durant les premières semaines de la crise sanitaire, nous avions très peu d'informations, très peu de moyens et constations hélas la désorganisation de l'État central qui nous amenait sur le terrain à faire tous les jours des petits miracles pour faire face et accompagner nos concitoyens dans la douleur. Je voudrais avoir d'abord une pensée que chacun comprendra pour les personnels soignants du pays de Meaux. La mobilisation des personnels hospitaliers, soignants, du groupement hospitalier des hôpitaux de Meaux, Marne-la-Vallée et Coulommiers ont été exceptionnels. Sans eux, rien n'aurait été possible. Aucun d'eux n'a manqué à son poste avec un courage remarquable. Je veux saluer dans un même élan la mobilisation des services municipaux qui ont été en première ligne dans le combat, alors même que nous venions tout juste de recevoir les premiers masques chirurgicaux pour pouvoir protéger nos policiers municipaux, nos agents de propreté urbaine des espaces verts, les personnels qui gardaient les enfants des personnels réquisitionnés, qui s'occupaient également des personnes âgées. Je dois dire que leur travail a été là aussi remarquable. Saluer la mobilisation des élus que vous êtes pour la distribution des masques, des repas, notamment pour les personnes âgées, les personnes en difficulté à domicile, la distribution des médicaments, les appels téléphoniques que vous avez faits pour vérifier que les Meldois les plus fragiles allaient bien, savoir s'ils n'avaient besoin de rien. Saluer également le travail absolument remarquable qui a été fait par l'un d'entre vous, auquel je veux rendre hommage particulier, c'est Christian Allard. Christian Allard, que je vous demande d'applaudir, qui a, par l'expérience professionnel, chef de service d'hématologie, n'a pas compté ni son temps, ni son engagement, prenant même parfois quelques risques, ce que je lui ai reproché, fait un travail formidable pour permettre la coordination, l'articulation entre les uns et les autres, tout en respectant naturellement les barrières de sécurité. Il a installé ex nihilo un centre ambulatoire Covid à Louis Braille pour permettre d'alléger, de désengorger l'hôpital et ainsi apporter une aide supplémentaire aux Meldois. Je veux saluer les bénévoles de cette aventure qu'a été les couturières de la Marne, d'ailleurs dont les médias nationaux se sont fait l'écho, ces Meldoises et Meldois qui, à l'initiative de 4 jeunes femmes, ont eu cette idée de fabriquer des masques, puisque, vous l'avez vu, c'était un épisode tragicomique, l'État français, 5e puissance du monde, n'avait pas de masque. Nous en avons donc fabriqué ainsi que des surblouses. Je pense aussi aux familles endeuillées. Je pense à toutes celles et ceux qui, dans des conditions difficiles, n'ont pas pu ou difficilement organiser les obsèques pour les personnes décédées, accompagner leurs parents dans des conditions terriblement difficiles. Et puis enfin, je pense à tout le travail qui a été fait pour l'accompagnement des entreprises et des commerces dans des conditions très difficiles pour faciliter les demandes de première urgence. J'ai d'ailleurs, dès que nous l'avons pu, ouvert les marchés du samedi et du dimanche. Le déconfinement a été décidé par le gouvernement le 11 mai, mais nous sommes loin d'en avoir terminé, vous l'avez bien compris. Je pense même, pour tout vous dire, que les problèmes sont devant nous. Il y a 3 urgences. La première, c'est l'urgence sanitaire. La vigilance s'impose. Restez prudents.
respecter les gestes barrières, porter un masque à chaque fois que c'est nécessaire dans l'espace public. C'est bien ici parce que nous avons respecté les distances que je ne porte pas, nous ne portons pas de masque, mais sinon, il faut en porter en permanence dans l'espace public. Nous avons veillé à ce qu'il soit distribué gratuitement, c'est important, c'est une barrière de protection. L'urgence scolaire. J'ai voulu, et je l'assume, que toutes les écoles soient ouvertes à Meaux dès le 11 mai. À cet égard, un travail remarquable a été fait par les services de la ville pour permettre que les mesures de sécurité soient prises et que les parents qui souhaitaient envoyer leurs enfants à l'école puissent le faire en toute sécurité. Je sais qu'un certain nombre étaient réticents à le faire. Je veux leur redire aujourd'hui qu'ils sont les bienvenus pour que leurs enfants puissent aller à l'école et que eux-mêmes, parents, puissent retourner travailler. Je veux à ce point de mon propos remercier les enseignants qui ont fait leur devoir de fonctionnaire, ceux qui l'ont fait, et qui, en allant faire cours, soit dans l'école, soit par Internet, à distance, ont permis que les cours d'un certain nombre d'enfants puissent reprendre. Ce travail était remarquable, il était indispensable. Si j'osais, je dirais qu'il était normal, comme nous avons considéré normal, d'être sur le terrain aux côtés de nos concitoyens. Du coup, je me dis que ceux des enseignants, dans toute la France, qui ont refusé de faire cours, ou sur place ou depuis leur domicile, hors question de santé, ceux-là, ils ont dû se sentir bien seuls. Et j'espère qu'ils ont eu une pensée pour leurs élèves, auxquels ils n'ont pas pu et ils ne peuvent pas faire cours, parce qu'ils n'ont pas voulu le faire. Et qui explique que nous avons parfois des déficits d'effectifs d'enseignants dans les écoles. Heureusement, au passage, que les personnels soignants, eux, ont tous été présents et héroïques dans les hôpitaux. Que se serait-il passé si un certain nombre d'entre eux, à l'instar de leurs collègues de l'Éducation nationale, n'étaient pas venus travailler? Reste que nous devons tout faire pour que les enfants de Meaux puissent rattraper le plus possible le retard. Il faut donc que d'ici l'été, le plus d'enseignants possible reprennent leur poste. Et j'espère qu'au fil des jours, ils vont bien vouloir le faire. J'ai d'ailleurs demandé à Madame l'inspectrice d'académie qu'elle veuille bien voir comment réallouer, au moins temporairement, quelques postes pour les effectifs qui ont bien voulu venir et à qui je veux une nouvelle fois rendre hommage pour permettre aux enfants d'avoir des enseignants. Et puis, nous avons décidé de nous mobiliser pour l'été. À Meaux, je veux que chacun l'entende, il y aura un été studieux et ludique. Beaucoup de Meldoises et de Meldois ne pourront pas partir en vacances, d'abord parce que le pouvoir d'achat, malheureusement, a été grevé par cette situation pour beaucoup de Meldois. Deuxièmement, parce que la situation de départ en vacances ne seront pas faciles. Je veux donc qu'à Meaux, cet été, tout soit organisé pour accueillir les enfants et leurs familles. Nous allons déployer une énergie folle pour le permettre. Ouvrir en permanence les établissements culturels, commencer par le musée de la Grande Guerre, qui rouvrira ses portes le 11 juin. Mais également tous les espaces culturels, théâtres, médiathèques. Nous allons ouvrir naturellement les musées. Nous allons ouvrir les espaces sportifs dès que nous pourrons les utiliser. Nous allons développer le soutien scolaire, des stages de langue, de rattrapage, avec des professeurs retraités, des professeurs bénévoles, et d'ailleurs qui à ce titre seront rémunérés, bien entendu, pour le travail qu'ils accompliront. Nous ferons en sorte que les Meldoises et les Meldois qui le souhaitent, pour leurs enfants, et même pour eux-mêmes d'ailleurs, puissent avoir des activités ludiques et studieuses à Meaux, et qu'ainsi on puisse rattraper un peu cette période de confinement de 2 mois. Ce sera l'opération Club Meld. C'est un jeu de mots que je n'ai pas trouvé moi-même, mais que finalement nous avons retenu, car il correspond assez bien à ce que nous avons envie de faire pour cet été. La troisième urgence, après l'urgence sanitaire et l'urgence éducative, c'est l'urgence économique. Là aussi, c'est la mobilisation totale pour nos entreprises et nos commerces. J'annoncerai dans quelques jours les mesures complémentaires qui vont donc s'ajouter à celles que nous avons déjà prises, et notamment, vous le savez, nous avons exonéré de taxes pour cette année les redevances liées aux terrasses et à l'affichage publicitaire. J'en viens maintenant enfin
a évoqué les grandes lignes du projet que nous allons mettre en œuvre pour les Meldoises et les Meldois durant ces 6 années. Ce projet, bien sûr, il ne repose pas sur une page blanche. Meaux n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a 10 ou 20 ans. Délinquance divisée par deux, développement du parc d'activité du Pays de Meaux avec des créations de milliers d'emplois, développement de parcs urbains, photovoltaïques, le plus important d'Île-de-France, les pistes cyclables, le niveau très faible des impôts locaux, la rénovation urbaine massive, tout a changé. Et plutôt en bien, si j'en crois, le fait que 83% des questionnaires qui nous ont été rendus par les Meldois mentionnaient une appréciation positive de l'évolution de la ville, tout en donnant un certain nombre, évidemment, de critiques et de propositions concrètes. C'est donc sur cette base que nous avons bâti notre projet pour les prochaines années. Et ce projet, il repose sur un contrat. Et moi, j'aime bien fonctionner avec des engagements, parce que ça permet aux gens de voir si les politiques ont tenu ou n'ont pas tenu leurs engagements. Et c'est aussi à ça que ça sert, la politique. Ce contrat, il repose sur 2 principes. D'abord, faire en sorte que chaque habitant, d'où qu'il vienne, et quel que soit son quartier, sa situation, ses origines, les problèmes auxquels il a à faire face, chaque habitant se sente considéré, écouté, respecté, heureux et fier de vivre à Meaux pour lui et pour ses enfants. Ça, c'est le premier élément du contrat. Et le deuxième élément, c'est au-delà des habitants et de chaque habitant de faire en sorte que Meaux soit et demeure une ville à taille humaine, où il y ait une vraie qualité de vie, avec une qualité d'environnement, qualité de service public, mais aussi une ville ambitieuse, fière de son histoire et ancrée dans la modernité. Et pour que nous puissions mettre en œuvre ce contrat, il faut des valeurs. Avec le temps qui passe, on oublie cela, mais il n'y a rien de grand qui puisse s'engager si l'on n'est pas solide sur des valeurs que l'on partage, qui sont celles de la République. Et les premières valeurs, pour moi, ce sont des valeurs humaines. Avant même d'avoir des oppositions idéologiques de telle ou telle nature, politique, ce sont des valeurs humaines. La passion, on ne fait rien de grand sans passion. La bienveillance, cherchons dans l'autre ce qu'il a de positif avant de trouver tout de suite les choses négatives. Le dynamisme, la compétence, l'investissement personnel au quotidien. Nous avons cette volonté de servir l'intérêt général et il faut le porter avec détermination. Et puis les valeurs de notre ville aussi. Une ville qui, encore une fois, est fière de son histoire. Elle est même nostalgique de sa grandeur passée. Alors, il faut protéger son patrimoine, son identité architecturale, sa culture, ses traditions, y compris gastronomiques. Elle doit continuer d'être une ville où la République se vit au quotidien, où chacun est respecté, et donc une ville où il doit y avoir de la sécurité, matin, midi et soir, 24 heures sur 24. Il n'y a rien de possible si les gens ont peur les uns des autres. Donc oui, la sécurité, mais aussi la laïcité, la fraternité sans assistanat, l'égalité des chances qui doivent évidemment trouver leur traduction concrète et quotidienne, et donc avec des droits et des devoirs. De ce point de vue, la première des valeurs, c'est la liberté. Et la première des libertés, dans une démocratie où sont déjà garanties les libertés politiques, c'est la liberté économique, la liberté d'agir, d'entreprendre, de prendre des risques, de s'engager. On doit libérer les énergies. Et cet élément-là est absolument majeur dans une ville qui est confrontée aux grands enjeux de la mondialisation et du développement économique tous azimuts. Donc, il faut faciliter la possibilité d'entreprendre. Les Meldois, comme tous les Français, ils ont des idées, des projets, des envies d'innover, et nous, on doit être là pour les encourager et pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vous ai dit tout à l'heure l'importance que j'attachais à la sécurité, ça n'est pas négociable, les lois de la République doivent être respectées. Et enfin, en ces temps de crise à la fois sanitaire mais aussi sociale, nous avons besoin de solidarité et de fraternité. Et je dois le dire, sur ce sujet, il est indispensable de rester avec la plus grande fermeté face aux atteintes aux valeurs de la République. J'évoquais à l'instant la laïcité, qui est, vous le savez, un de mes grands combats, dans le respect de l'identité de chacun, la nécessité de veiller
à respecter les lois de la République et également contre toutes les formes de communautarisme, mais aussi de toutes les formes de racisme qu'il faut combattre avec la plus grande force. Et vous savez que dans ce domaine, je n'ai jamais rien lâché. C'est vrai, l'égalité des chances, on en parle beaucoup. Et nous, pour Meaux, c'est un combat. Par l'éducation, par l'emploi, par le travail, personne ne doit être déterminé par son quartier, son origine, sa religion, son sexe. Et dans ce domaine-là, les valeurs de Meaux pour tous sont des valeurs de très grand engagement et de très grande détermination. Alors, vous allez retrouver évidemment l'incarnation de ces valeurs dans chacune de nos priorités. La sécurité, je l'ai dit, c'est le socle fondateur de notre action. Je n'ai jamais lâché, et malgré les critiques que j'ai pu entendre ici ou là, je ne lâcherai jamais. Impossible de mener la moindre initiative, la moindre action, le moindre projet dans une ville où les gens auraient peur les uns des autres. Et tout est organisé grâce à l'action de notre police municipale, à la coordination avec la police nationale, avec le parquet, avec l'ensemble des acteurs de la prévention pour que nous fassions sans arrêt diminuer la délinquance, ce qui est le cas maintenant de manière régulière depuis des années, avec l'augmentation des caméras, des effectifs, des matériels. Nous allons d'ailleurs créer une brigade numérique pour faciliter, avec une application dédiée, le fait pour les Meldois de pouvoir dialoguer plus facilement avec la police municipale. Une action déterminée également sur la délinquance dans les tours, qui reste aujourd'hui un problème majeur et auquel j'ai l'intention de m'atteler immédiatement. Nous avons fait d'ailleurs une première réunion de sécurité la semaine dernière pour en parler. Renforcement des contrôles de vitesse, de la lutte contre les incivilités, notamment dans les pieds d'immeubles, tapage nocturne, tout autant d'éléments qui, tels les déjections canines ou les dépôts sauvages, exaspèrent à juste titre les Meldois et sur lesquels nous allons devoir être de plus en plus fermes. Et puis enfin, je vous annonce l'ouverture d'un centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. J'en annoncerai le lieu dans quelques jours. Et puis l'extension du palais de justice. La deuxième priorité après la sécurité, c'est le développement durable. Nous avons pris le virage du développement durable, vous le savez, depuis le Grenelle de l'environnement en 2008, et on va poursuivre et amplifier. On a promis une ville avec 50 000 arbres, le grand projet de la place de l'hôtel de ville Jacques Chirac, avec une place complètement piétonnisée. Nous voulons atteindre la fleur d'or, qui est le grade le plus élevé dans le domaine du fleurissement, les pistes cyclables que nous allons continuer de développer, une production agricole locale à laquelle je tiens beaucoup et que nous allons beaucoup développer entre les jardins familiaux et les jardins de Cocagne. Et puis, je voudrais que l'on mette en œuvre, et ce sera la première fois à Meaux, un grand projet pour la cause animale. Et d'ailleurs, une élue sera spécialement en charge du sujet pour la première fois à Meaux. Troisième point, la santé publique. Il faut qu'on tire toutes les leçons de ce que nous venons de vivre, y compris positives. La rénovation complète de l'hôpital de Meaux est désormais programmée, 170 millions d'euros avec le parking et la refonte d'Orgemont. L'amélioration de l'accueil des urgences, à l'image de l'expérience positive qui a été menée avec le centre Covid. Et puis, l'ouverture de nouvelles maisons médicales en partenariat avec les facultés de médecine de Créteil et de Reims. Nous manquons de médecins à Meaux, malgré tout le travail qui est fait. On va continuer. La quatrième priorité, c'est l'emploi, l'attractivité économique. En un mot, réduire le temps de transport entre le domicile et le travail. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, initié un plan d'urgence pour accompagner les commerces qui rouvrent et puis les entreprises. Nous allons aussi nous mobiliser sur l'aérien et l'aéroportuaire. Vous le savez, le grand projet du pôle métropolitain qui va aller de Meaux à Roissy va être notre feuille de route sur le plan économique. Ce sont des perspectives fantastiques qui vont s'ouvrir à nous. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais avec un secteur aérien et aéroportuaire très sinistré par cette crise, nous sommes d'autant plus attendus pour accompagner la reprise de ce secteur, alors que nous sommes à proximité de Roissy, dans le domaine de la formation, de l'éducation, de l'orientation, et puis des partenariats avec les entreprises aéronautiques. Et enfin, cinquième priorité, ce que l'on appelle maintenant la ville intelligente. Alors, ce n'est pas une dérive d'immodestie, je m'empresse de le dire. La ville intelligente, c'est tout simplement la référence à l'intelligence artificielle. Cette magie du 21e siècle qui, à base d'algorithmes, permet de simplifier la vie des Françaises et des Français partout. Et nous allons développer toutes les applications qui permettront de faciliter, avec l'usage du numérique, la vie quotidienne. Circulation, transport, logement, bureau. Bref, nous allons là aussi mettre vraiment l'accent très fortement là-dessus.
comme nous le ferons à travers des applications que nous créerons dans le domaine de la sécurité, de la santé, vélo, logement, transport, et puis aussi pour les personnes handicapées et leurs familles, beaucoup d'idées sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Enfin, pour terminer, je voudrais faire quelques focus rapides sur plusieurs points majeurs qui me tiennent beaucoup à cœur. Le premier d'entre eux, c'est l'urbanisme. On a lu, entendu beaucoup de sornettes tout au long de cette campagne. Ça peut arriver parfois. Je voudrais donc redire clairement quelle est la doctrine qui est la nôtre et sur laquelle nous allons amplifier l'effort. Premièrement, il faut terminer la rénovation urbaine. Sur les 20 tours, bars et caravelles que nous avons trouvées lorsque nous avons pris nos fonctions au tout début de notre premier mandat, il en reste encore 6 sur les 20 à démolir. Anjou-Alsace en 2020, Camargue-Chambord en 2024, Aquitaine-Argonne en 2027. En clair, à la fin de ce mandat, nous en aurons fini avec les tours et les grands ensembles qui ont fait tant de mal à la vie quotidienne dans notre ville. À la place, à l'image de ce que nous avons fait à Dunant, de ce que nous avons fait à Colbert, de ce que nous commençons à faire sur le quartier A, ce seront des immeubles de 4 étages, accession à la propriété, logement social, sécurisés par les caméras, par la présence de la police municipale, avec des espaces verts, des espaces sportifs, des espaces culturels, bref, une autre vie qui va se poursuivre. Nous allons par ailleurs modifier le plan local d'urbanisme à chaque fois que c'est nécessaire pour veiller à ce qu'aucun programme urbain ne soit disproportionné, surtout en centre-ville, et que, surtout, ces programmes soient toujours plus écologiques et contribuent à l'embellissement. Mais je le dis de la même manière, une ville de l'importance de la nôtre doit évidemment continuer de construire, de rénover, sinon elle meurt. J'ai bien entendu cette idée honnêtement, je n'aurais même pas imaginé moi-même de vouloir, comme le proposait une liste concurrente, si elle avait été élue, ce qui n'a pas été le cas, arrêter tous les permis de construire. C'est sympathique, c'est une idée de campagne. Fort heureusement, elle ne sera pas mise en œuvre. Arrêter tous les permis de construire, c'est décréter la fin d'une ville. Et bien entendu, l'objectif, il est tout au contraire de faire un développement équilibré. À l'image d'ailleurs de la rénovation du centre-ville que nous poursuivons, ou à la rénovation de la halle du marché, qui va être un des grands projets de ce prochain mandat. Le deuxième point sur lequel je veux faire un focus particulier après l'urbanisme, c'est la culture. Vous savez que je suis très attaché à notre politique culturelle. Il n'est pas de grande action publique sans politique culturelle. Et une culture accessible à tous, quel que soit l'âge, quel que soit le quartier, quel que soit le métier. L'idée, c'est que chacun puisse accéder à la connaissance, à l'émotion, au partage, par la culture. Et en particulier par le spectacle vivant. Nous avons aujourd'hui tous les atouts et tous les outils pour faire du spectacle vivant à tous les étages. Dans des grandes salles comme le Colisée, dans des théâtres, comme le Théâtre Luxembourg ou à la Caravelle, mais aussi dans les rues. C'est ce qui fait venir du monde, c'est ce qui fait de la joie, de la fraternité, et dès que les conditions sanitaires le permettront, on en remettra partout, comme on veillera naturellement à valoriser le rire avec le Festival du Rire, mais aussi la musique, y compris d'ailleurs des concerts de musique classique, sans oublier la gastronomie présente à tous les étages avec le fromage le plus important du monde, le Brie de Meaux. Nous aurons bien sûr un grand projet avec la communauté d'agglomération qui sera la Cité de la Musique, place Henri IV, et puis bien entendu un effort tout particulier sur le patrimoine et le tourisme qui seront l'un et l'autre une des grandes priorités culturelles de ce mandat. Le patrimoine, bien sûr, avec le musée de la Grande Guerre, avec le musée Bossuet refait à neuf, avec le site archéologique de la Beauve, avec la maison de Jean-Claude Brialy, les remparts, des lumières remarquables, un port de plaisance en cœur de ville. Bref, des projets qui vont continuer de faire vivre notre ville dans l'enthousiasme et la passion qui nous animent. Enfin, et je veux conclure par là, la jeune génération meldoise. C'est évidemment avec elle que je veux conclure mon propos, et vous le comprendrez aisément parce que c'est pour elle qu'on travaille. Nous allons donner un nouvel élan à notre action en faveur des jeunes meldois. Je veux qu'à Meaux, on propose le maximum de solutions, d'options et d'opportunités pour les jeunes et pour leurs parents. Options de garde pour la petite enfance, par rapport au travail. Réponses aussi adaptées que possible pour les enfants ayant un handicap, ainsi que pour leurs parents. Emploi, formation, stage pour les jeunes. Soutien scolaire à tous les niveaux. Et bien sûr,
activité sportive pour tous les âges, car c'est une bonne manière de rester jeune. Tauziers, après la piscine de Nanteuil, sera complètement refaite. Coraza, où nous allons créer une base nautique, et puis des petits équipements sportifs dans toute la ville. Les seniors me l'ont souvent demandé. Voilà quelques-uns des points que je voulais aborder aujourd'hui, à défaut de pouvoir d'avoir pu le faire dans un meeting avant la campagne. C'est une feuille de route ambitieuse. Au total, dans le programme, nous avons 160 propositions. Rien ne sera possible sans l'engagement des Meldoises et des Meldois, que je continuerai de consulter et de rencontrer, notamment lors de mes permanences hebdomadaires. Rien ne sera possible non plus sans le concours précieux de chacune et chacun d'entre vous, élus de la ville de Meaux. Vous aurez tous une mission thématique ou par quartier, et vous insérerez bien sûr dans la communauté d'agglomération du pays de Meaux qui s'accroît de plus en plus et qui a vocation à aller un jour jusqu'à Roissy. Vous l'avez compris, c'est une magnifique aventure qui se poursuit pour le bien commun au service de notre ville et de la République. Vive la ville de Meaux, vive la République et vive la France. Je voudrais proposer à notre député Jean-François Parigi de prendre la parole. Merci, monsieur le maire, merci Jean-François de me permettre de partager avec vous quelques réflexions en essayant de ne pas avoir la grosse tête dans mes propos. Monsieur le maire, cher Jean-François, monsieur le premier vice-président de la communauté d'agglomération, monsieur Régis Sarrazin, monsieur le vice-président du conseil départemental de Seine-et-Marne, cher Olivier, mesdames et messieurs les élus, chers amis qui nous suivez en direct sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous assistons à un conseil municipal d'installation très particulier, si ce n'est historique, par le contexte dans lequel il s'organise. À cet égard, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre dans le combat contre le virus qui touche notre pays, au premier rang desquels, bien entendu, les personnels soignants, les forces de l'ordre et de sécurité, les travailleurs de l'ombre, les caissières, les ripeurs, mais aussi tous les bénévoles qui ont organisé la solidarité dans notre territoire. Merci aussi à nos associations meldoises, qui sont le reflet de notre ville, toujours prêtes à s'engager pour aider et accompagner nos concitoyens, quelles que soient les circonstances. Elles sont ce lien de cohésion permanent entre chaque Meldois. Des Meldois qui ont été exemplaires, faisant preuve de civisme pendant la période de confinement. Ils ont respecté les règles, d'une part, et créé une véritable chaîne de solidarité intergénérationnelle. C'est la fierté de notre territoire de voir la capacité de résilience de chacun au service de l'intérêt général. En cet instant où démarre un nouveau mandat, un double sentiment m'anime. Tout d'abord, la joie. La joie d'être aux côtés de l'équipe Meaux pour tous, qui a rassemblé 76,35% des suffrages dès le premier tour. Un score inimaginable, n'en déplaise aux grincheux. Un score qui nous oblige, mais un score aussi qui m'a... Là, ce stade m'entraîne dans une réflexion sur les commentaires qui sont faits. Bientôt, mes amis, on aurait presque perdu cette élection. Vous savez, en politique, il y a une chose que j'ai retenue. C'est que par moments, il vaut mieux être propriétaire de son silence qu'otage de ses paroles. Et vous savez, à ce moment précis, j'ai là une pensée toute particulière pour nos amis militants qui nous accompagnent depuis des années et qui ne peuvent être présents en ce moment solennel. Le score significatif de la liste Meaux pour tous témoigne de l'attachement des Meldois pour les protéger pour les projets portés par le maire et son équipe. Des projets, il y en a eu beaucoup ces dernières années. Jean-François l'a évoqué. La rénovation urbaine, la transition écologique, les infrastructures sportives, les manifestations culturelles, sportives. Quel travail accompli.
Un travail qui est simplement le résultat d'une équipe municipale dévouée, d'un maire passionné et d'agents communaux engagés au service de chaque Meldois. Le personnel municipal, à qui je tiens à rendre hommage pendant cette crise sanitaire, mais aussi au cours de ce dernier mandat, toujours volontaire, les agents font preuve d'abnégation et incarnent un service public de qualité pour les Meldois. Le spectacle des communaux, qui a lieu chaque année, démontre la transversalité et le dialogue permanent voulu entre les agents et les élus. C'est la marque de fabrique de Maupertuis. Je connais l'énergie et la passion de Jean-François, qui va poursuivre cette formidable dynamique, accompagnée de l'équipe Maupertuis. Une équipe avec des profils diversifiés par les compétences ou leurs expériences. Le score obtenu dès le premier tour nous engage, mes chers collègues. Il nous engage à l'égard du maire, certes, mais aussi à l'égard des Meldois, dont la confiance ne doit jamais être tenue pour acquise. Nous devons tenir nos engagements et continuer d'être animés par la passion au service de tous les Meldois. Car la passion est encore ce qui aide le mieux à vivre. Ce n'est pas de moi, c'est d'Émile Zola. J'ai également un sentiment de reconnaissance aujourd'hui, de leur reconnaissance à l'égard de notre maire, qui a été en première ligne pendant cette crise sanitaire inédite, avec des élus qui n'ont pas hésité à s'engager au service de nos concitoyens. Jean-François, tu l'as rappelé, Christian Allard a organisé avec beaucoup d'efficacité le centre ambulatoire Covid-19 de notre ville. Permets-moi, Christian, mon ami, de te remercier encore. Laetitia Blé a accompagné les infrastructures accueillant les personnes porteuses de handicap. Amandine de Kisling a été très engagée au service du collectif des couturières de la Marne. Jérôme Tisserand, notre conseiller départemental et adjoint au maire au commerce, a eu une aide efficace auprès de nos commerçants durement touchés par cette crise. Je remercie également tous les élus présents aujourd'hui qui ont participé aux distributions de masques aux côtés de bénévoles et d'agents communaux. J'aurai une pensée particulière aussi pour Emmanuel Vieillepeau, pour la réouverture de nos écoles dans un contexte très difficile. Et la place qui est la mienne aujourd'hui vous montre que la région n'a pas pu être relevée, hélas, par bon nombre de maires. La crise sanitaire nous a montré, si cela était nécessaire, toute l'importance des élus locaux et tout particulièrement des maires. Ils n'ont jamais failli. Ils sont le lien permanent entre le citoyen et la République. C'est en ce sens que le mandat qui leur est confié est le plus important de tous les mandats électifs. À la place qui est la mienne aujourd'hui, j'en suis encore plus convaincu. Le maire, c'est la proximité avec les habitants. C'est l'action permanente. Il est à la fois le confident des administrés pour régler les problèmes du quotidien et le visionnaire pour construire la ville de demain. Malgré les responsabilités qui lui incombent, le maire est toujours présent et sur tous les fronts. Les maires ne baissent pas les bras. La détermination dont ils ont fait preuve au quotidien pour satisfaire nos concitoyens est un exemple. Jean-François, ton expérience est une chance pour notre territoire. Nous l'avons encore vu dans la gestion de cette crise sanitaire. Depuis quelques années, les difficultés sont plus nombreuses pour les maires. Il faut à la fois répondre aux impératifs de sécurité et de santé publique, mais avec de moins en moins de moyens. Les communes doivent lutter contre les déserts médicaux, contre la crise du logement et de l'emploi, tout en affrontant inexorablement la stabilisation et parfois la diminution des dotations de l'État, réduisant les marges de manœuvre des collectivités locales à qui on demande de faire toujours plus avec beaucoup moins. Les communes ne veulent plus être sous perfusion financière. Elles souhaitent simplement que l'autonomie budgétaire redevienne une réalité objective afin de répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens. Heureusement, communes, départements, régions travaillent main dans la main, là où l'État est défaillant ou absent. Les élus locaux répondent toujours présents. C'est en ce sens que le pôle métropolitain que tu as initié, Jean-François, a vocation à créer davantage de synergies entre les intercommunalités de Roissy-Pays de France, de Plaine et Mont-de-France, du Pays de Lourdes et du Pays de Meaux. Développement économique, emploi, mobilité, aménagement du territoire, transition numérique, autant de sujets qui concerne l'avenir des Meldois et que nous devons aborder tous ensemble. La coopération et l'action concertée nous permettront de réduire la fracture territoriale et d'apporter plus d'égalité en matière d'accès aux soins
au transport et à l'emploi. Vous l'aurez compris, les défis de demain sont nombreux. Jean-François, le projet porté par l'équipe Mots pour tous, dont tu as énoncé les grands axes pour le mandat à venir, est ambitieux. Ta détermination et ton engagement sans faille, ainsi que le développement de l'équipe Mots pour tous, à laquelle j'appartiens à 100%, permettra d'accomplir, j'en suis certain, de belles réalisations. Notre mandat sera guidé par le bon sens et par la proximité au service des Meldois. Henry Ford disait « Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. » Je vous souhaite à tous bon courage, félicitations encore et vous pouvez compter sur moi. Merci. Merci beaucoup Jean-François. Ce que je voudrais maintenant, avant de poursuivre nos délibérations, c'est donner la parole à ceux qui le souhaitent, en particulier aux responsables de l'opposition. Monsieur Bouquine. Donc, monsieur le maire, chers collègues, je dois vous avouer que je suis un petit peu surpris par la tournure que prend ce conseil municipal, et j'en ai vu quelques centaines. Ça ressemble davantage à un meeting politique qu'à un conseil municipal. Ça nous touche que vous soyez venu d'ailleurs. C'est mon rôle, hein. J'ai été élu, comme vous l'avez été également. C'est pour ça que c'est bien que vous le soyez. Donc je voulais d'abord remercier, comme vous l'avez fait, donc le personnel municipal pour l'organisation donc de ce conseil municipal particulier, pour l'organisation des élections qui se sont déroulées dans un contexte évidemment extrêmement difficile, et pour tout le travail qui a été fait durant ces 2 mois de confinement par l'ensemble des agents de la ville, que ce soit les administratifs, que ce soit les éboueurs, que ce soit les agents de propreté, que ce soit la police municipale. Donc je crois qu'ils ont fait ensemble un travail remarquable. Et donc je tenais à les féliciter et également à souhaiter un prompt rétablissement à certains agents qui ont été touchés. Donc je crois que ce sont eux qui méritent nos applaudissements et je vous invite à les applaudir. Donc, revenons donc à ce conseil municipal et à l'ordre du jour. Donc, je tenais à vous féliciter, monsieur le maire, pour cette élection, hein, pour ce 5e mandat, qui est un record à Meaux. Hein. Donc, il faut être fair play. Je le suis. Même si la campagne, comme vous l'avez souligné, est extrêmement dure, violente, pour ce qui nous concerne, puisque j'étais, ce qui était très rare dans l'histoire électorale meldoise, obligé de déposer donc une plainte contre un affichage calomnieux donc collé à travers toute la ville. Si je peux me permettre, monsieur Moukine, comme vous le savez, je l'ai été aussi victime d'un affichage calomnieux. Je n'ai pas déposé plainte, mais je n'en ai pas moins pensé. Même si le taux d'abstention de 68%, record aussi, a totalement faussé les résultats, même si votre score, dont vous vous glorifiez, est de 5864 voix, ce qui ne représente que, je suis désolé de vous le dire, les chiffres sont les chiffres, que 25% des électeurs inscrits à Meaux, ce qui signifie simplement que 75% des Meldois n'ont pas voté pour vous. Je pourrais également souligner, puisque ce chiffre est placardé à travers toute la ville aux frais du contribuable Meldois, je suppose, ainsi que sur le site de la ville, que vous avez perdu en 6 ans 2100 voix, ce qui est considérable. Il n'empêche que vous avez gagné, j'en prends acte, c'est la démocratie et je respecte la démocratie. Vous disposez désormais donc d'une écrasante majorité de 41 sièges sur 45 au sein de cette assemblée, c'est du jamais vu. Mot citoyenne qui va s'exprimer après moi, donc dispose d'un siège en la personne de Gilles Savret, que je salue. Je regrette, même si je regrette la disparition du groupe PCPS, communiste et socialiste, qui siège au sein de cette assemblée depuis au moins la libération, qui a loupé donc la qualification à quelques voix près. Donc une petite pensée à notre ami Jean-François Diringer. Donc le groupe Vivre Ensemble à Meaux, que nous représentons, je vais demander à Baou de venir également ici,
donc avec Valentine Rousseau et Baou Ima, donc représente la principale force d'opposition avec 3 sièges. Nous sommes très fiers d'avoir été élus par les Meldois, puisque c'est la première fois que je brigue ce mandat, sans le soutien d'aucun parti. Hein ? Et donc nous terminons deuxième dans des circonstances électorales historiques. Et donc c'est une grande fierté pour nous. Donc comme je le soulignais, nous sommes la principale force d'opposition. Mais je n'aime pas ce mot opposition. Nous serons, dans la mesure du possible, avant tout une force de proposition. Et si nécessaire, une force d'opposition. Une force de proposition indépendante au service des Meldois, parce que mon seul objectif à moi, c'est moi. Et je vous ferai une petite confidence, mais ça reste entre nous. Je ne serai pas candidat en 2022 à la présidence de la République. Mot qui sort péniblement de cette crise donc, du Covid, qui est loin d'être terminée, doit faire face à des défis redoutables que vous avez soulignés. Il faut absolument que toutes les forces que nous représentons ici se rassemblent pour travailler ensemble dans le respect de nos différences et de nos sensibilités. Mais pour cela, il y a 2 conditions. La première, c'est que nous souhaitons être pleinement associés à toutes les décisions, ce qui n'a pas été le cas durant ce confinement, je le regrette, durant les 2 mois qui se sont écoulés depuis le 15 mars. Je n'ai reçu aucun coup de téléphone de vos services ou du cabinet du maire, simplement pour m'informer des mesures qui étaient prises pour faire face à toutes ces difficultés. Pourquoi pas pour me demander d'y participer ou de me demander mon avis, par exemple, sur cette rentrée scolaire que nous avons, et la presse en a fait écho, je la remercie, que nous avons jugée prématurée, comme beaucoup de villes, la ville de Chelles, qui est la deuxième ville, la ville équivalente à Meaux, la ville jumelle en quelque sorte, nous aurions préféré que l'on attende le 2 juin pour avoir le recul nécessaire, simplement pour 2 raisons. Que je n'ai pas inventé, simplement parce que la Seine-et-Marne est toujours en zone rouge et que le conseil scientifique, qui fait autorité, a jugé qu'il était préférable de reporter la rentrée scolaire au mois de septembre. Et je dois souligner, j'étais choqué par l'attaque que j'ai trouvée totalement déplacée et totalement injustifiée à l'encontre des enseignants qui, à vous entendre, ne feraient pas leur travail. Les enseignants qui ne sont pas présents dans les écoles meldoises le sont pour de bons motifs validés par leur administration. Ils ne sont pas en vacances et ils continuent à domicile l'enseignement donc à leurs élèves par correspondance. Et croyez-moi, puisque je suis moi-même directeur d'école, comme vous le savez, ça n'est pas une sinécure. Donc nous voulons être pleinement associés à toutes les décisions et pleinement informés et nous souhaiterions siéger dans les conseils d'administration des grands organismes qui existent dans notre ville, tels par exemple que l'hôpital de Meaux ou le grand bailleur, SEM Pays de Meaux Habitat, qui regroupe maintenant la SAIM, et Meaux Habitat anciennement OPAC, puisque pour les Meldois, ça reste dans le langage courant l'OPAC. Nous voulons également travailler, monsieur le maire, dans un climat serein, respectueux et tolérant, bienveillant, puisque c'est un mot que vous avez employé. Et là, je dois vous avouer, et je suis désolé de mettre les pieds dans le plat et de gâcher cette grande fête ou ce meeting, mais ça coince. Alors ça coince. Nous avons un gros problème. Hein ? Il y a 1 mois de cela, nous avons tous reçu dans cette salle, une lettre donc du tribunal administratif de Melun, comme vous le savez. Madame Vielpeau, qui est désormais votre première adjointe, a déposé un recours en tant que citoyenne donc pour obtenir l'annulation de l'élection de Madame Valentine Rousseau, ici présente, pour des raisons
que je n'ai toujours pas compris. Et je laisse la parole à Valentine Rousseau. Alors attendez, parce qu'avant que Madame Rousseau, parce que quand vous serez maire, c'est vous qui distribuerez la parole, mais là, pour l'instant, c'est encore moi qui la distribue, donc on entendra Madame Rousseau plus tard. Moi, je voudrais... Je vous donnerai... Monsieur Bouquine, vous aurez la parole tout à l'heure. Vous êtes exprimé pendant 20 minutes. Comme je suis maire, j'ai la maîtrise des débats, donc on va donner la parole à Madame Rousseau, si vous le souhaitez, mais on va le faire tout à l'heure. Avant qu'elle ne s'exprime, elle le fera. Mais elle le fera. C'est dans la continuité. Vous inquiétez pas. Il y a eu 4 hommes qui parlent et une femme. Madame Rousseau, je vous donnerai la parole. Ne vous inquiétez pas dans un instant, mais on va faire 2 ça. 2 minutes 45. Mais vous inquiétez pas. On va faire ça dans le bon ordre. C'est moi qui distribue la parole. Et donc, avant que vous ne preniez la parole, je voudrais juste rappeler qu'il y a une autre tête de liste que vous n'avez pas encore laissé s'exprimer, qui est M. Savret, et qui est donc, a légitimement le droit de s'exprimer. D'accord, mais à moins que vous ne souhaitiez pas la prendre, mais enfin, il est prévu. Bien, donc je vais naturellement vous la donner. Et enfin, avant qu'on ne passe à un autre sujet, je voudrais répondre assez précisément à un point que vous avez évoqué, qui est la question scolaire, et certainement le point de divergence que nous avons. Et je voudrais tout à fait m'en expliquer. D'abord, parce que vous avez, je pensais que vous étiez attentif, peut-être avez-vous perdu le fil, j'ai volontairement précisé que je dissociais le travail remarquable des enseignants qui avaient fait cours soit sur place dans les écoles, soit à leur domicile, comme le prévoient les textes, de ceux qui n'ont fait cours ni chez eux, ni depuis chez eux, ni depuis leur présence à l'école. Et on ne me fera pas croire, je suis désolé de le dire, à l'aune de la République, de ce que l'on appelait autrefois les hussards de la République, dédiés à l'éducation et à l'instruction publique des enfants, que leur place n'était pas aux côtés des enfants, comme la totalité des personnels soignants étaient à côté des patients. Eh bien, j'aurais aimé, et j'aimerais encore, que cette situation ne soit pas aussi critique que celle que nous connaissons aujourd'hui pour l'école, avec des enseignants en nombre insuffisant, soit depuis leur domicile pour faire des cours par domicile, soit dans les écoles, et que nous nous trouvions dans cette situation. Jusqu'à nouvel ordre, on est en démocratie, je n'ai pas moins de droit que vous de le dire. Vous êtes vous-même, que vous l'avez rappelé d'ailleurs, directeur d'école, je crois que vous avez pris une position d'ailleurs sur ce point qui est extrêmement radical, qui me rappelle celle d'ailleurs recommandée par les syndicats de l'éducation nationale. Je l'ai bien noté, pour ce qui nous concerne et pour ce qui me concerne, je continue de dire que c'est normal que les parents choisissent de ne pas envoyer leurs enfants ou de les envoyer, même si je pense que toutes les conditions sanitaires sont respectées aujourd'hui pour qu'ils puissent les envoyer, mais c'est leur choix, mais que les enseignants se doivent d'être à leur poste d'enseignant, sauf problème personnel de santé, ça c'est autre chose, mais sinon, leur place est aux côtés des enfants, soit par Internet, soit dans les écoles. Madame Rousseau. Monsieur le maire, il y a 20 ans, je photographiais votre déménagement de Meaux à Paris. Journaliste, j'allais écrire un article pour dire que le premier édile de Meaux n'allait plus habiter Meaux. Vous aviez été ulcéré que je puisse ainsi étaler votre vie privée en public. Pardon. Vous me répétiez, je cite, « Mon lieu d'habitation ne regarde personne ». J'avais convaincu mon chef de ne pas sortir l'article. Aujourd'hui, après une victoire poutinesque, vous n'avez pas cette élégance. Vous envoyez une huissière espionner ma vie pour tenter de prouver mon domicile réel. Quelle ironie de l'histoire, vous ne trouvez pas? Bien entendu, ce n'est pas de votre chef. Madame Bielpo a engagé ce recours à mon encontre pour que je disparaisse du conseil où je dois gêner. Madame, on ne se connaît pas. Un matin, vous êtes réveillée en vous disant « Bah tiens, Madame Rousseau, elle habite où en fait ? Est-ce que vous connaissez ma vie privée ? Mes orientations sexuelles ? Où je dors la nuit ? Seriez-vous heureuse qu'un détective privé vérifie votre fidélité ? Personne n'est dupe, vous ne partez pas seule au front. Comment refuser cette mission quand M. Copé vous offre la place de première adjointe ? Et avec vos deniers personnels, en bonne citoyenne, comme vous dites, vous avez payé une femme pour prendre des photos de la maison que j'ai vendue, de la sonnette de mon domicile sur laquelle ne figure pas mon nom. Donc forcément, conclut cette brave femme, je n'y reçois pas de courrier. C'est bien connu, les facteurs déposent les courriers dans les sonnettes. Vous joignez dans le dossier une lettre qui est revenue en mairie pour prouver que je n'habite pas là. Savez-vous de quelle lettre il s'agit, Madame Bielpo ? De celle qui devait m'informer de ma radiation des listes électorales. Alors que ma candidature avait été validée par la préfecture, l'état civil m'a radié des listes électorales et s'est trompé 4 fois dans mon adresse mail pour m'en informer. Si un de nos colistiers n'en s'était pas aperçu par hasard, notre liste aurait été invalidée au lendemain des élections. Quelle honte pour la démocratie. Pour en revenir à votre attaque à mon encontre, Madame Bielpo,
Je note que le fils de l'huissière que vous avez choisi était sur votre liste aux dernières municipales. Il y a 12 huissiers dans le secteur et vous choisissez précisément celle-ci, sans doute le hasard. Vous sortez l'artillerie de guerre pour m'écraser et à travers moi affaiblir l'opposition et donc la représentation citoyenne. Si je ne siège plus à cette table, je siégerai encore plus librement dans le public avec lequel je me ferai un plaisir de discuter. Quelle que soit l'issue de cette procédure, vous n'en sortirez pas grandi. Merci à tous de m'avoir écouté et de m'avoir donné la parole. Merci. Normal que nous vous donnions la parole. Madame Rousseau, je ne vais pas faire de commentaires très longs parce que la procédure est en cours et que je n'ai pas pour habitude de commenter les procédures en cours. Je note que vous avez une indignation à géométrie variable. Je vous ai connu beaucoup moins mobilisé pour attaquer, comme vous l'avez fait durant cette campagne, comme d'ailleurs M. Moukine, sur des attaques personnelles qui n'étaient pas glorieuses. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça vous donne une petite idée de ce que c'est lorsque l'on attaque bassement. Ce que vous avez fait à cette occasion n'est rien d'autre que de la toute petite politique. Pour ce qui nous concerne, le seul sujet qui nous importe, c'est de nous assurer que les lois sont respectées. Je tiens d'ailleurs à vous dire sur ce point que moi, je les ai intégralement respectées. Il appartiendra au juge, très sereinement, et sans que cela pose du tout les problèmes que vous évoquez, de constater ou non si vous avez respecté la loi. Si vous l'avez respectée, cela ne posera évidemment aucun problème à personne. Si en revanche le juge considère que vous ne l'avez pas respectée, il est bon tout de même que chacun en prenne acte. Ensuite, vous avez raison, vous êtes une citoyenne libre, vous êtes très opposée depuis les fameux 20 années dont vous parlez, très opposée à tout ce que nous avons conduit, c'est votre droit le plus strict, vous êtes une journaliste, certes, mais très engagée, c'est votre droit, mais encore une fois, ça ne pose pas de problème, c'est la nature humaine, vous avez indiqué que vous retrouviez votre liberté si jamais vous ne siégiez pas au Conseil, moi je n'ai aucun avis sur la question, que vous soyez au sein du Conseil ou à l'extérieur, vous aurez toute liberté de vous exprimer, d'ailleurs, puisque M. Moukine connaît bien le fonctionnement du Conseil, il sait que je suis très attentif à ce que toutes les oppositions s'expriment, c'est pour ça que j'ai invité tout à l'heure M. Savret à prendre également son tour de parole. Pour le reste, je vous assure, il n'y a pas, vous ne ferez pleurer personne, y compris avec les termes que vous avez utilisés, parce que nous savons les moyens qui sont les vôtres lorsqu'il s'agit de combattre vos adversaires. Vous avez sur ce coup été un petit peu prise à défaut dans votre comportement. Rien de grave à cela, le juge tranchera. Vous donnera-t-il raison, vous donnera-t-il tort? C'est à lui et lui seul d'en décider, c'est ainsi que fonctionnent les lois de la République. Je souhaiterais terminer mon intervention, Monsieur le maire. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Ben, comme vous, moi, les vôtres. Et donc, je tenais quand même à vous faire remarquer que la campagne électorale est terminée depuis 2 mois. Donc, je ne ferai aucun commentaire. Alors, attendez, pardon, parce que M. Moukine, la campagne est terminée depuis 2 mois, mais depuis tout à l'heure, vous ne cessez les attaques, hein, quand même. Donc, je voudrais vous dire qu'effectivement, la campagne est terminée. Voilà. Donc, expliquer, après avoir fait 12% des voix exprimées, que j'ai fait, moi, avec 76% des voix exprimées, si un mauvais score, pas, reconnaissez si quand même qu'il faut se lever le matin. Si vous n'aviez pas cautionné cette attaque, je n'en parlerai pas. D'accord. Donc, je ne ferai aucun commentaire sur cette procédure qui est en cours. Nos intérêts sont défendus par Maître Gerfagnon, qui est avocat à Meaux, comme chacun le sait. Et très engagé politiquement. Il l'a été autrefois. C'est cela. Et qui est donc un ancien bâtonnier du barreau de Meaux. Par contre, ancien responsable de l'opposition socialiste, surtout. Également, oui, voilà. Certainement. Mais il faut dire les choses. Par contre, je vous répète, je ne comprends pas la motivation d'une telle procédure, qui n'est pas à votre initiative. Vous disposez déjà d'une majorité écrasante de 41 sièges sur 45. Que voulez-vous que nous disparissions? Je dois vous avouer également que j'étais, et je ne suis pas le seul, je vous invite à consulter le dossier pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez y accéder via le net, tribunal administratif de Melun, j'étais particulièrement choqué, personnellement, hein, par les moyens utilisés, planques, filatures, photo, quoi. Non mais arrêtez, parce que là vous racontez des choses qui sont fausses. Donc il n'y a ni filature. Me rappelle, là on est dans le roman feuilleton. Donc vous êtes exprimé sur le sujet. On ne fait pas de commentaires dans une procédure qui est en cours. On vous a largement entendu, Monsieur Moukine. Je propose quand même maintenant qu'on revienne à l'ordre du jour. On a entendu Madame Rousseau. Je ne vous ai pas coupé. Je n'ai pas dépassé. Non mais après on rentre dans des propos qui n'ont rien à voir avec la vérité, Monsieur Moukine. Le règlement intérieur me donne droit à 10 minutes. On en est très loin. Non, à la fin ça fait du temps quand même. Donc je disais que j'étais choqué par ces. D'accord, mais racontez pas non plus des choses fausses. Voilà, il n'y a ni filature, ni quoi que ce soit, il y a eu des constats d'huissier, ce qui est normal dans une procédure. Après, il y a une décision du juge que nous attendons, point. Donc, je vous demande, Monsieur le maire, au nom des valeurs qui nous sont communes,
même si nous n'avons pas la même sensibilité, que je veux croire, je suis persuadé que vous n'avez pas cautionné cette procédure, et je vous demande d'user de votre influence auprès de Mme Vielpo pour faire en sorte que tout cela cesse et qu'on puisse enfin se consacrer à l'essentiel qui est Meaux. Et M. Moukine, si vous êtes serein et que vous considérez que la loi, vous l'avez respectée dans les déclarations que vous avez faites sur votre candidature, le débat est clos. C'est votre nervosité me trouble. Soit vous n'êtes pas serein, et dans ce cas, je comprends que vous soyez inquiet, soit vous êtes serein, et dans ce cas, nous attendons le verdict du juge, monsieur, comme il se doit, et on passe à autre chose. Monsieur le maire, ça fait 25 ans que je vous vois jouer de la sorte à l'ordre. Bon, ce n'est pas un vieux singe comme moi que vous apprendrez à faire la grimace. Bah, écoutez, je ne suis pas nerveux, tous ceux qui me connaissent savent que je suis nerveux. Je ne sais pas si vous n'êtes pas nerveux, mais vous y consacrez quand même beaucoup de vos fameuses 10 minutes. Hein, donc, je ne parle pas beaucoup des mêle-doigts dans votre vous intervention. Vous avez fait le reproche d'avoir pris une position en caricaturant, comme vous le faites habituellement, sur un sujet grave, qui est la réouverture des écoles. D'abord, j'ai pris une position, non pas en tant que directeur d'école, je n'ai pas le droit en tant que directeur d'école de m'exprimer, mais dans la presse. J'ai pris une position en tant que président du groupe Vivre à Meaux Ensemble, et j'ai simplement suivi, parce que je ne suis pas un expert, vous non plus, il me semble, j'ai simplement suivi les recommandations du conseil scientifique. Mais il y a une décision du gouvernement, monsieur Moukine. Il y a une décision du gouvernement. Alors, je suis désolé. Ou alors, on considère politique. Qu'on n'est pas républicain et qu'on ne suit pas la décision du gouvernement. Mais enfin, le gouvernement a décidé que les écoles s'ouvraient. On a le droit, jusqu'à preuve de contraire, nous sommes en démocratie, d'être en désaccord avec vous ou d'être en désaccord avec une décision du gouvernement que vous avez par ailleurs soutenue. Mais juste, monsieur Moukine, juste pour que les choses soient très claires sur ce point, lorsqu'une décision du gouvernement est prise et que l'on est fonctionnaire d'État, on doit l'appliquer. Vous voilà. Savez comme moi, monsieur le maire, puisque d'autres villes, je pourrais en citer des dizaines, que le choix de la réouverture vous appartenait. Ah oui. Vous l'avez dit, vous avez fait un choix. Je l'ai assumé. Pleine responsabilité. Bah oui. N'allez pas rejeter la faute sur le gouvernement ou sur Pierre-Paul Aujac. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé la réouverture, c'est une grande blague, là. Bon, enfin bref. Ce n'est pas moi qui ai décidé la réouverture des écoles, c'est le gouvernement sur cette base. Nous avons été une majorité de maires à payer cette décision. D'autres maires ont fait un choix inverse. Oui, ont décidé de maintenir leurs écoles fermées jusqu'au mois de septembre. Non. Je peux vous en citer un certain nombre. Mais pas jusqu'au mois de septembre. Bon, enfin, ok. Merci beaucoup, monsieur Moukine. Je vous remercie. Monsieur Savret. Oui, monsieur Copé. Mesdames et messieurs, juste par rapport à l'ouverture des écoles le 11 mai, nous sommes exprimés, bien sûr, sur les réseaux sociaux, pourquoi nous n'étions pas favorables à l'ouverture des écoles le 11 mai. Et sans vouloir distribuer les bons ou les mauvais points aux professeurs qui, pour des raisons qui leur appartiennent, de ne pas faire cours ou de faire cours, je voudrais rappeler quand même qu'en Île-de-France, plus de 377 maires ont signé une tribune pour appeler à ne pas ouvrir le 11 mai. Et en Seine-et-Marne, il y en a eu 77. Donc je ne sais pas si ce sont des mauvais maires ou des bons maires, mais en tout cas, ça a été leur positionnement. Donc ils sont assez respectables. On est en démocratie. Il y a eu des actions du gouvernement en la matière. Acte. Juste, monsieur Savret, sur ce point, pour qu'on soit quand même clair, il n'y a pas celui qui ne respecte pas la consigne gouvernementale qui est respectable et celui qui applique la consigne gouvernementale qui ne serait pas respectable. Absolument. Moi, je n'ai eu qu'un objectif dans cette affaire, tout de bon sens, eu... qui faisait que je considérais qu'il était indispensable pour l'intérêt des enfants, après 2 mois de confinement, de reprendre les cours et pour leurs parents de pouvoir aller travailler, comme le souhaitait non seulement le gouvernement, mais le bon sens. Mais il y a eu 77 maires en Seine-et-Marne qui ont pensé le contraire. Très bien, mais c'est pas grave. Très bien, mais on ne va pas dire que parce qu'on a respecté cette règle, on est moins respectable que celui qui ne l'a pas respecté. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord, parce que dans ce monde où l'extrême-gauche décide de ce qu'on doit penser, il est bien aussi de rappeler que dans une république, il est convenu qu'on applique des instructions. On n'est pas juste là pour passer son temps à les contester. Mais en tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, au moins aussi respectable que le vôtre. J'espère bien. Concernant les informations pendant la crise sanitaire, effectivement, je n'ai eu aucune nouvelle de la part de la mairie, sauf en allant sur le site. Je pense que vous aviez d'autres chats à fouetter, effectivement. Mais enfin, j'ai effectivement, par contre, reçu une lettre
du tribunal me signifiant que j'étais concerné par une affaire concernant Madame Valentine Rousseau. La justice va passer. Ceci dit, au-delà de ça, je ne sais pas si la politique et les élus en sortiront grandis à l'issue de cette bataille. Alors, je ne sais pas qui a quoi comme contentieux avec Madame Rousseau, mais en tout cas, je trouve que ce n'est pas très glorieux en termes d'image du rôle des élus en la matière. Bon, dont acte. Ensuite, concernant les résultats, je dirais que les chiffres sont interprétables de diverses façons, et c'est la diversité des opinions qui fait aussi la richesse des échanges. Et je serai complémentaire par rapport à certains constats qu'a fait M. Moukine. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier les Meldoises et les Meldois qui ont porté leur voix à la liste Mots citoyennes. Nous avons été élus, mais ce scrutin est sérieusement altéré par une abstention de plus de 66%, ce qui est quand même particulièrement énorme. L'état sanitaire et l'angoisse populaire provoquée par le virus n'ont fait que renforcer ce triste record, et je pense que c'est un coup dur porté à la démocratie représentative. Quand il n'y a qu'à peine 34% de citoyens qui se déplacent pour aller élire leurs élus, je pense que c'est une attaque sérieuse à la démocratie représentative. Et la démocratie est une fiche fragile qu'il faut savoir manier avec prudence et discernement dans nos actes pour pas qu'elle soit complètement discréditée. Dans l'état sanitaire que connaît notre pays, cette élection n'aurait pas dû être maintenue, tout comme le deuxième tour le 28 juin. Notre pays est ancré dans une crise démocratique et institutionnelle profonde et avérée, principalement dans les villes et les quartiers populaires. Je vous invite d'ailleurs à lire l'analyse du directeur de l'IPOF dans le MIF, qui est extrêmement intéressant et qui pose bien les problématiques. Absolument. Le président de la République et le gouvernement portent une lourde responsabilité dans cette situation. La Ve République est à l'agonie. Il faut donc une Sixième République qui réponde aux aspirations du peuple pour être à la hauteur des enjeux démocratiques et écologiques de demain. En tant qu'élu au Conseil municipal de Meaux et au Conseil communautaire pour la liste Meaux citoyenne, c'est dans l'esprit républicain du fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, que je porterai avec les habitants des propositions sur la transition écologique, la défense des services publics, le développement social, économique et culturel. Car oui, la culture, c'est très important, ça fonde une société, la démocratie participative. Le moment que nous vivons avec le Covid ne le rend que plus évident encore. L'avenir de notre commune, de notre territoire, de la planète, se construira ensemble. Pas forcément en opposition, sauf quand c'est nécessaire, pour faire valoir son point de vue. C'est le sens de l'engagement de la liste Meaux citoyenne, verte, solidaire et responsable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Savret. Je vais maintenant donner lecture de la charte de l'élu local, prévue par l'article L1111 du Code général des collectivités territoriales. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, il s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous propose maintenant de poursuivre le point numéro 4. Je vais reprendre ma place. Alors, l'article 4 prévoit, la délibération numéro 4 prévoit
à travers l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales, que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie pour la durée de son mandat de prendre des décisions dans certains domaines limitativement énumérés, tant pour des raisons de rapidité et d'efficacité, hein, le conseil municipal n'étant tenu de se réunir qu'au moins une fois par trimestre, que pour des motifs de bonne administration des affaires communales. Il s'agit de ne pas alourdir les débats du conseil avec des points qui relèvent de la gestion quotidienne de la commune. Il est donc souhaitable que le conseil municipal délègue au maire certaines attributions et lors de chaque réunion de l'organe délibérant, je rendrai compte, bien sûr, des décisions prises par délégation, puisque vous avez copié des arrêtés pris en la circonstance. Voilà. Je vous propose donc d'adopter le contenu des délégations que le conseil municipal me délègue. Oui, monsieur. Monsieur le maire, chers collègues, donc nous voterons pour cette délibération, puisque comme je l'ai dit il y a quelques minutes, nous ne sommes pas un groupe d'opposition. Nous voulons un groupe donc de propositions et nous votons tout simplement, comme je l'ai toujours fait depuis ces 40 années d'engagement dans la vie locale, je soutiendrai les projets que vous proposez lorsque je pense qu'ils sont bons pour l'intérêt dans l'intérêt des Meldois et je m'y opposerai quand je les juge contraires aux intérêts des Meldois en faisant toujours des contre-propositions. J'avais juste une petite remarque et une question, puisque nous avons travaillé sur tous ces documents. La remarque concerne donc le point 11, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Donc je voulais simplement vous signaler, vous vous en doutez bien, que nous serons particulièrement attentifs aux frais de huissiers ou de huissières et d'avocats, car nous avons constaté dans la décision du maire 2020-196 qui est annexée à cette convocation, que le cabinet d'avocats parisien, qui représente Mme Vielpeau, qui a déposé un recours au tribunal administratif en tant que citoyenne, c'est son droit, et non pas en tant qu'élue première adjointe, est le même cabinet d'avocats que celui qui défend les intérêts de la ville, ce qui est tout à fait légal. Nous serons également attentifs aux frais de notaire, car nous tenons à ce que donc, les dossiers de la ville soient répartis équitablement entre les différents notaires du pays de Meaux, comme c'est déjà la règle, je suppose. Petite question de vocabulaire, bon, pour détendre un peu l'atmosphère, parce que vous semblez un peu crispé. Je suis désolé d'avoir gâché votre meeting. Donc, point vous numéro faites plaisir six, tout seul. Hein. Point numéro 5. Parce que vous m'avez dit très gentiment, vous connaissiez depuis 25 ans, mais malheureusement, moi aussi, je vous connais depuis 25 ans. Donc, c'est le même sketch depuis 25 ans. Donc, c'est bien que vous fassiez plaisir, hein, mais on vous connaît par cœur. Hein. Donc, même plus loin pour certains. Voilà, oui, oui. Donc, je n'ai pas changé. C'est ça. Je suis toujours celui que vous avez aimé. C'est ça, voilà. Voilà. Vous avez tout dit. C'est le problème. Donc, petite question de vocabulaire. De 5, dans le point 5, de décider de la conclusion de la révision du louage de choses. Je ne sais pas ce que c'est que la révision du louage de choses. Voilà. Je ne sais pas si... Bon, voilà. À l'occasion... Je ne sais pas si le texte de loi... Les services de la mairie peuvent me donner leur précision. Ah, c'est la révision des conditions d'un louage, voilà. Ah, d'accord. Je vous remercie. Passer le texte de loi. Hein. Bien, pas d'opposition. Oui, monsieur Savray. Si, justement, je vais voter contre. Très bien. Non. Alors, je vais expliquer pourquoi. Ben, je dis très bien, c'est votre droit. Oui, oui, je vais expliquer pourquoi. Parce que il me semble, alors je comprends qu'un maire ait besoin de délégation pour gérer la ville au quotidien, et c'est tout à fait normal. Par contre, à mon avis, même si nous restons dans le cadre de la loi avec les 28 délégations qui sont inscrites dans la délibération, il me semble que autant de moyens sur un seul homme me semble excessif. Et je pense qu'on aurait besoin, pour faire vivre le conseil municipal en tant que tel, en amont des décisions à prendre, pour l'échange, un échange fructueux, d'avoir les décisions avant à prendre au conseil municipal, pour faire vivre plutôt la démocratie participative, ne serait-ce qu'au conseil municipal, même si on sait que vous devez, après, parce que nous avons eu le document sur les décisions qui ont été prises et que vous vous rendez compte, ce qui est une obligation de la loi, mais une fois que vous avez pris les décisions, elles sont prises. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que je... Juste petite question, mais ça c'est vraiment pour ma culture personnelle. Les maires d'extrême gauche, je ne sais pas ce que c'est, je ne me sens pas à l'extrême gauche, donc oui, enfin, je ne les connais pas. Quand même.
Mais alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent ça? C'est-à-dire, eux, ils renoncent à tout arrêter, ils font tout faire par le conseil. C'est des conseils qui durent plusieurs semaines, non? Comment ça se passe? Non, je ne pense pas. Hein. Enfin, ils appliquent la doctrine ou je vous invite à aller regarder à Grenoble. La démocratie participative fonctionne très très bien et il me semble que. Et donc, maire, il a pas de délégation pour de pouvoir bien arrêter. Bien sûr. D'ailleurs, je vous ai dit en début de mon intervention que je comprenais parfaitement qu'un maire ait des délégations de pouvoir, mais dans cette proportion, ça me semble. Donc vous auriez été élu à Grenoble, par exemple, vous n'auriez pas voté cette délibération du maire de... Avec 28 délégations? Non, ça, sans doute pas. J'en aurais sans doute laissé sur le côté. Je dirais. Voilà. Alors, oui, je voulais dire à M. Boukine, bien sûr que, en ce qui concerne les notaires, évidemment que tout ça est rétabli très équitablement. On ne vous a pas attendu, parce que vous n'étiez pas là. Hein, donc, vous imaginez bien qu'on est très attentif au respect de la loi, quand même. Donc, c'est évidemment des choses sur lesquelles nous sommes très vigilants, y compris, bien entendu, sur les conflits d'intérêts. Et vous le savez d'ailleurs très bien. Qui est contre cette délibération? Une opposition? Pas d'abstention, c'est adopté. Indemnité des élus, donc là aussi, qu'on vient de délibérer sur les indemnités de fonction des élus municipaux, leur montant est fixé par les articles L21-23, L21-24 et L21-24-1 du Code général des collectivités territoriales et calculé en appliquant le pourcentage du barème lié à la population de la commune. C'est déterminé par la loi et en l'occurrence, ce sont des montants qui ne connaissent pas d'évolution depuis autre que celle prévue par la loi. Monsieur Moukine. Ça marche. Je trouve que la sonorité de celle-ci, c'est tout à fait naturel vu son utilisation, est nettement supérieure à la salle au salon d'honneur de l'hôtel de ville, qui est infernale lorsqu'on est dans le public. Donc nous voterons contre cette délibération et Madame Baouima va vous en donner les raisons. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, bonjour, plutôt bonsoir, il fait déjà nuit presque. Alors, vous m'entendez? Très bien. Ah, d'accord. Alors, donc, dans la note numéro 5, à la dernière page, il y a un petit tableau récapitulatif relatif aux rémunérations du maire et de ses adjoints. Alors, je suis complètement novice en matière de politique locale. Donc, j'essaye de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment c'est calculé. Mais je me suis heurtée à quelques incompréhensions. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui nous votons non. Donc, il aurait été pertinent d'indiquer l'indice brutal terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique sur lequel s'applique le pourcentage d'indemnisation. Parce que sans cela, cela rend flou le calcul du montant de la majoration. Ensuite, l'indemnité totale brute mensuelle comprend-elle déjà les 20% ainsi que les 145% pour le maire et les 66% pour ses adjoints au titre de la majoration accordée aux communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Donc, cela va sans dire que légalement, le maire et ses adjoints peuvent s'allouer les majorations ci-dessus mentionnées, que je viens de mentionner un peu plus haut. Rappelons que l'indemnité perçue au titre de l'engagement dans la vie locale et de la proximité de l'action publique est une compensation proportionnelle au temps que nous consacrons à la gestion de la chose publique et non un salaire. Pourquoi utiliser la DSU-CS pour améliorer vos indemnités? Au lieu de les majorer, ne pourriez-vous pas, par exemple, augmenter les dotations aux associations, surtout celles dont vous avez fait mention un peu plus tôt, qui ont œuvré lors de la crise sanitaire. Ou encore,
verser une indemnité supplémentaire aux employés municipaux qui ont assuré leur service avec dévotion et efficacité lors de cette même crise. Mesdames et messieurs les élus, faisons en sorte, comme vous l'avez dit précédemment, monsieur le maire, d'être exemplaires. Montrons à nos concitoyens que nous œuvrons avant tout pour eux et que, comme vous l'avez aussi dit, monsieur le maire, que seul le bien commun doit nous guider. Merci à vous. Merci, madame. D'autres demandes de parole, monsieur Savray ? Non ? Bon, moi, là-dessus, je vais être très, très clair, peut-être avec un discours plus direct, parce que le vôtre était un petit peu tournoyant. Donc, moi, je vais vous dire ce que je pense. Il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est la démagogie. Je considère qu'il est tout à fait normal que des citoyens et des citoyennes qui s'engagent puissent bénéficier, comme la loi le prévoit, ni plus que la loi prévoit, ni moins que la loi prévoit, comme la loi le prévoit, de percevoir ce qu'on appelle des indemnités d'élus. À force de taper sur les élus par tout moyen, on les dissuade de s'engager. Et je considère que c'est pire que tout, parce que c'est comme ça que se crée la montée des extrêmes, qui, eux, n'ont vraiment pas ce type d'état d'âme. Donc, il est normal qu'il y ait des indemnités. Ces indemnités correspondent à un montant fixé par la loi, je m'empresse de vous dire, absolument pas fixé par la collectivité. Nous la respectons scrupuleusement et nous veillons d'ailleurs à ce que tous les élus aient une indemnité, y compris les élus d'opposition. Je me permets de le dire, parce que comme vous n'avez pas pris le temps de le faire, je voulais vous le dire. Si vous souhaitez y renoncer pour qu'elle soit reversée, j'en prends bonne note. Mais sachez qu'en tout cas, tous les élus, je n'y suis pas obligé, je l'ai voulu, tous les élus perçoivent une indemnité, de majorité comme d'opposition. C'est une manière supplémentaire de respecter les droits de l'opposition. Donc là-dessus, je vous le dis, je l'assume, et dans ce temps si malheureux où on passe tellement de temps à taper sur les responsables politiques, associatifs, eh bien moi je pense qu'il faut de temps en temps assumer. Voilà. Donc nous assumons, j'assume, j'ai entendu votre propos, voilà ma réponse. Et je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération ? Contre, il s'abstient, une abstention, elle est adoptée. Monsieur Moukine, vous nous direz pour votre groupe si vous souhaitez conserver votre indemnité ou pas, je vois que vous avez voté contre, vous nous le direz, nous en tirons bien sûr les conséquences, ça va de soi. En ce qui concerne le point numéro 6 maintenant, qui concerne la définition des conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission de délégation de services publics. Pour respecter les dispositions du Code général des collectivités locales, il est proposé de fixer comme suit les modalités de dépôt des listes pour l'élection de la commission. Les listes doivent être déposées au plus tard le 5 juin 2020 à 17h à l'attention du maire, à l'adresse mail de la direction générale. Les listes peuvent comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir. Les listes doivent indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaires et de suppléants, et il est demandé aux membres du conseil de se prononcer sur les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission de délégation du service public. Et nous y procéderons donc lors du prochain conseil. Monsieur Moukine. Je vous remercie. Je vais remonter le machin. Je m'installe. Hein. On est là pour 6 ans. Donc, je regrette que vous ayez caricaturé les propos de Baou Ima, qui débute dans sa fonction, qui essaie d'être extrêmement précis. C'est-à-dire, quand moi je parle, quand vous parlez, c'est génial. Quand je parle, c'est caricatural. Non, mais ça va être comme ça pendant 6 ans. Essayer d'être extrêmement précis et qui aurait mérité une réponse plus pertinente. Donc, mais vous me direz la prochaine fois ce que je dois dire. Nous ne remettons pas en cause, comme Baou l'a expliqué, nous ne remettons pas en cause les indemnités versées aux élus. C'est une évidence. Ce que nous remettons en cause, c'est la majoration. On en a débattu, on a entendu. 245% et 66% pour les adjoints qui vous est alloué du fait que vous êtes le maire d'une ville donc qui perçoit la DSU, donc une ville pauvre, où vous n'habitez pas. Donc, j'en reviens à la délibération numéro 6. Heureusement que les attaques personnelles, si j'avais bien compris tout à l'heure, vous n'en faisiez pas. Parce que qu'est-ce que ce serait, hein ? Ça fait déjà 3-4 fois hein, depuis le début.
entre vous et Madame Rousseau, qui l'un Monsieur... et l'autre ne supportez pas d'être contestés sur votre situation personnelle, mais alors pour les autres, vous y allez allègrement. Monsieur, hein. Monsieur le maire, je vous ai lancé un appel solennel. J'ai dit que nous souhaitions travailler ensemble parce que... Ah bah c'est mal parti, parce que si vous partez sur les attaques personnelles quand ça vous arrange, ça va être compliqué. Il y a devant nous des défis considérables que nous devons relever ensemble. À vous d'apaiser un peu ce climat. Je vais vous dire, je pense qu'on va bien rigoler pendant six ans avec vous. Toutes ces procédures. On va pas être déçus, je pense. Que ce soit celle de Madame Rousseau, ou que ce soit la mienne également. Je vous rappelle que j'ai quand même été obligé de déposer une plainte et que il s'est écoulé 2 mois. Et malgré donc vos centaines de caméras qui, comme tout le monde le sait, je le reconnais, sont utiles et efficaces, il a été impossible pour l'instant, je n'ai toujours pas de suite, d'identifier une personne qui a circulé en véhicule à travers toute la ville pour coller des affiches me calomniant en plein jour. Enfin, restons calmes. J'ai connu pire comme calomnie que ce que vous avez subi. Moi aussi, j'ai connu les miennes, y compris dans cette campagne de votre fait. Je n'ai pas déposé plainte. J'ai attendu que ça passe. Donc, franchement, votre numéro de victime, c'est sympathique, mais il n'y a pas une personne à mots qui pleure sur votre sort. Extrêmement respectueux des uns et des autres, et vous le savez pertinemment. Bah non, je ne vois pas trop. Quelles que soient nos différences. Non, il y a même d'ailleurs quelques exemples assez concrets où chez vous, ça a manqué un peu de respect. Enfin, peu importe. Revenons-en à la délibération numéro 6. Voilà. Donc, il s'agit de désigner les 5 représentants de la ville au sein de la commission de la délégation de services publics. Ça ne parle pas beaucoup aux téléspectateurs qui nous regardent, mais c'est donc une délégation de services publics, quelque chose de très important, puisque, par exemple, les parkings à Meaux sont donc en délégation de services publics, donc confiés par la ville à la société Indigo, qui va les gérer pour les 20 années à venir. Donc, je dois vous avouer, monsieur le maire, que j'ai relu à plusieurs reprises cette délibération et que j'ai beaucoup de mal à comprendre les termes du paragraphe suivant. Donc j'ai compris qu'il y aurait 5 membres représentant le conseil municipal, ça va jusque-là. Et après il y a ce paragraphe, les membres titulaires et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote. Ni vote préférentiel. Donc cela signifie-t-il que nous aurons un siège sur 5 proportionnellement à nos résultats électoraux, ou est-ce que c'est un vote propre pour désigner cette assemblée ? Non, c'est un vote en conseil. D'accord. Donc nous déposerons, comme il se doit dans les délais impartis, une candidature commune avec donc le mot citoyenne, donc un titulaire, un suppléant, et donc là c'est pareil, j'en appelle à votre bienveillance. Il serait démocratique et respectueux des résultats électoraux que nous ayons un petit siège sur 5 au sein donc de cette commission pour participer à ces travaux. Je vous remercie. Il n'y a pas de petits et de grands sièges, monsieur Boukine. Il y a des sièges tout court et ils sont occupés par des citoyens qui reçoivent l'onction du suffrage. Voilà, donc il y a un vote et ce vote permettra d'identifier les élus. Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Alors, pour la désignation des représentants de la ville de Meaux au sein de la SEM Pays de Meaux Habitat, alors, vous savez qu'en tant qu'actionnaire à hauteur de 9,4%, la ville de Meaux participe aux assemblées générales et est représentée au sein du conseil d'administration. Il faut nommer donc un représentant de la ville qui va siéger au conseil d'administration et à l'assemblée générale. Alors, le principe est que le conseil municipal vote à main levée, sauf si l'un ou l'autre d'entre vous veut un bulletin secret. Vous qui voyez, monsieur Boukine. Bon, vous voyez que je suis de bonne composition, je ne vous ferai pas, je ne serai pas impertinent ou transier jusqu'à demander à votre bulletin secret. Bah, vous êtes tout simplement pressé. Non, pas du tout, moi j'ai toute la nuit. Bah, nous aussi. Okay. Je n'ai pas de problème. Donc, comme vous l'avez expliqué, il s'agit de désigner un représentant du conseil municipal au sein de cette assemblée, plutôt au sein du conseil d'administration de la SEM Pays de Meaux, donc qui est un organisme très très important dans la vie quotidienne des Meldois, hein, puisqu'il derrière ce nom barbare
Vous avez, si je ne me trompe pas, la fusion de la SAIEM et de l'OPAC, enfin de Mohabitat. C'est bien cela dont il s'agit ? Oui. Tout à fait. Donc ça représente, je veux dire grosso modo, 40% des logements sociaux de la ville de Meaux. Donc c'est une grande partie, même peut-être plus, hein, une grande partie des habitants de la ville de Meaux. Donc nous voterons, ça va certainement vous surprendre, nous voterons pour le candidat présenté par le conseil municipal de Meaux, parce que donc il est indispensable que le conseil de Meaux, municipal de Meaux, bien sûr, soit représenté au sein de ce conseil d'administration. Par contre, parce qu'il y a toujours un mais, évidemment, j'espère que vous aurez l'élégance ou la courtoisie de nous renvoyer l'ascenseur. Je parle sous couvert de plusieurs vice-présidents de la CAPM ici présents, futur vice-président, puisque l'élection n'a pas encore eu lieu, de nous renvoyer l'ascenseur, car il y a au sein de ce conseil d'administration, comme vous le savez, 12 personnes, dont un représentant de la ville, que nous soutiendrons, et 6 représentants de la CAPM. Donc je pense que parmi ces représentants de la CAPM, on pourrait réserver à l'opposition un siège. Je vous remercie. Alors, je propose de désigner Corinne Pono-Roger en tant que représentante de la ville. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Voilà donc pour l'ensemble des délibérations. Avant que nous ne nous séparions, je voulais vous donner connaissance des délégations que je vais confier aux élus qui ne sont pas adjoints. Fernando Rodriguez sera en charge de la propreté urbaine et vice-président du comité de quartier du Val-Fleury. Evelyne Vessière sera en charge des seniors, personnes âgées, dépendances et vice-présidente du comité de quartier Fraud-Clémenceau, comme elle l'était. Jean-Marie Guéraud sera en charge du patrimoine bâti. Chantal Gilewski, du suivi des démarches réglementaires et présidente du comité de quartier du Marché Grande-Île. Kevin Marilus sera en charge de l'animation culturelle et festive et relations avec les ultramarins et présidera le comité du Val-Fleury. Ludivine Goncalves sera en charge du périscolaire de la réussite éducative et présidente du comité de quartier Colbert. Pascal Emery en charge des relations avec les copropriétés, président du comité de quartier Fraud-Clémenceau. Julien Leloup en charge des travaux et de la voirie, vice-président du comité de quartier Grosse-Pierre, Croix-Saint-Loup-Corniche, Haute-Chantraine. Sandra Lefebvre sera en charge de la proximité, de la coordination des comités de quartier et du bien-être animal. Elle sera également présidente du comité de quartier Saint-Nicolas-Foch-Montabor. Virginie Hublet sera en charge des nouveaux arrivants de l'artisanat et des commissions de sécurité, présidera le comité de quartier d'Unanguine-Mère-Paty. Saïd Rezeg sera en charge du suivi du plan de rénovation urbaine et vice-président du comité de quartier de la Verrière. Bernard Le Cicero sera, comme je vous l'ai dit, vice-président, ainsi que Sally Diop, Didier Attali et Franck Gourdi. Tous les quatre seront vice-présidents de la communauté d'agglomération. Je précise que le conseil de la communauté d'agglomération sera convoqué mardi 2 juin prochain. Fatma Ozturk sera en charge de la proximité du mobilier urbain des squares et aires de jeu et vice-présidente du comité de quartier Saint-Nicolas. Timmy Gosselin sera en charge du handicap aux côtés de Laetitia. Sarah Lacroix, qui par ailleurs est vice-présidente du conseil départemental, sera en charge des relations avec les collèges, le monde combattant, le devoir de mémoire et présidente du comité de quartier Centre-Ville-Cathédrale. Rachida Benhamed sera en charge de la condition féminine. Sadio Sissoko de la vie associative et de l'accompagnement scolaire et vice-président du comité de quartier Colbert. Pascal Guibéga sera en charge des commissions de sécurité. Alain Bourgeois, patrimoine culturel, commission de sécurité, en charge de la géothermie également et président du comité de quartier du Centre-Ville Cathédrale. Aurore Ebumbu sera en charge des commissions de sécurité, vice-présidente du comité Aragon, comité de quartier. Sébastien Malkic sera en charge des relations avec les commerçants non sédentaires et président du comité de quartier Grosse-Pierre, Croix-Saint-Loup-Corniche, Haute-Chantraine. Rachel Torun sera en charge des installations sportives et Christian Pastor des relations avec les associations de locataires. Voilà pour ce qui concerne les différents points de ce premier conseil d'installation, qui était donc dans des conditions évidemment un peu particulières. Le prochain... Monsieur le maire, décision municipale pour vous. Pouvons-nous poser des questions ? Oui, attendez, juste, je termine. Le prochain, en fait, je termine, mais je cherche mes notes. Le prochain conseil municipal, le 12 juin, voilà. Le prochain conseil municipal aura lieu le 12 juin. Oui, monsieur Fortier, monsieur Moukine. Oui, c'est pareil.
Donc, nous avons examiné avec beaucoup d'attention les 260 décisions municipales qui étaient jointes au PV. Juste deux ou trois questions. Je ne vous demande pas une réponse là dans l'immédiat. Vos services peuvent très bien me transmettre. Donc, sur la décision 2019-815, la ville de Meaux reverse à la commune de Villenoix des indemnités suite à une décision judiciaire donc de 245 000 euros, 895 euros. Donc, il n'est pas notifié dans la décision de quoi il s'agit. Voilà, 219-815. Deux autres décisions. Donc, il y a la 220-45 et la 200, enfin 2020-45 et 2020-168. La ville de Meaux, si j'ai bien compris, parce que la rédaction est très courte, verse un loyer donc à SEM, Pays de Meaux Habitat, enfin Meaux Habitat. D'une part, alors je ne sais pas pour quel local, pour quelle adresse, rien n'est précisé, mais donc les deux décisions s'élèvent à un loyer annuel plus charge de 224 000 euros. Je vous passe les centimes. Hein. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Et la 220-229, donc qui a été signée récemment, puisque la signature date du 9 avril, il s'agit d'une campagne d'affichage, donc pour le campagne d'affichage 2020, bien sûr, pour le spectacle historique, avec une société lambda, et donc qui le contrat donc porte sur une somme de 15 000 euros. Donc je ne comprends pas très bien, puisque donc, le spectacle, si j'ai bien compris, n'aura pas lieu ou n'aura lieu que sur une courte durée. Voilà les trois questions que je souhaitais poser. La campagne était antérieure au confinement. Non, ben là-dessus, comme d'ailleurs tout à fait normal, vous avez accès évidemment à toutes les informations que vous souhaitez. Ça ne relève pas forcément du conseil municipal, mais l'administration, évidemment, répondra à vos questions. Et puis au fil du temps, vous rentrerez dans les dossiers, vous verrez que tout ça s'inscrit dans une cohérence et l'objet, évidemment, de délibération, tout ça, c'est des sujets normaux. Oui, M. Savret. Oui, j'avais exactement la même demande concernant le changement d'affectation de ligne budgétaire concernant Villenoix. Forcément, on ne connaît pas tous les dossiers. Oui, bien sûr. Au bout de 6 ans, je pense que ça ira mieux. Et puis, par contre, j'en ai une autre. Est-ce que le parc du Paty est rouvert? Et s'il n'est pas ouvert, parce qu'il ne m'a pas semblé qu'il était ouvert, est-ce que vous allez faire une demande au préfet pour qu'il soit ouvert? Parce que je pense qu'il y a une vraie attente de la part des Meldoises et des Meldois pour pouvoir profiter pleinement de ce parc magnifique, très beau parc, que nous avons créé de toutes pièces. Écoutez, Monsieur Savrel, je vais vous dire une chose. Je colle le plus possible au calendrier du gouvernement. À la minute où le gouvernement autorise quelque chose, je suis le premier à libérer les vannes. Nous l'avons fait pour les marchés, nous l'avons fait pour les espaces autorisés. À la minute où le gouvernement autorisera l'ouverture des espaces verts, nous ouvrirons le parc du Paty, comme d'ailleurs nous travaillons déjà à la préparation de l'été, j'ai dit tout à l'heure, à l'ouverture de la plage de Meaux, enfin on a des tas de projets. On ne peut pas aller contre les décisions gouvernementales, vous savez, moi je suis très très attaché au respect des décisions gouvernementales, c'est normal, même si je ne les partage pas à chaque fois, loin s'en faut, enfin c'est comme ça, il faut être républicain. Et je pense qu'un pays doit être discipliné, sinon on ne peut pas avancer. Donc, à la minute où les autorisations seront données, nous les donnerons évidemment pour le parc du Paty, comme pour toutes les autres installations. Merci à vous tous, et donc rendez-vous au prochain conseil municipal. Merci à vous, et je réunirai la majorité municipale vendredi, en fin de journée.